Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur O-Gaming et sur ES1 pour assister au lancement de cette cinquième semaine de LFL. Pour m'accompagner sur ce pré-show, deux personnes qui ont fait de très très grosses transitions relativement récemment. Tréton, ancien meilleur support de France qui devient commentateur à mes côtés, comment vas-tu? Oula, mais tu fais de gros compliments déjà, meilleur support de France, pas tellement sûr de ça, mais sinon ça pardon, va très très meilleur bien. Support d'Europe, aurais-je ah, dû oui, dire. Oui, c'est vrai, exactement. Du monde même, tu peux y aller. Plus précis pour le coup. Et Jinko, ancien rioteur qui a décidé de travailler dans l'humain maintenant. Jinko, comment vas-tu? Ça va très bien, excellente présentation. Voilà, si tu veux revenir peut-être plus en détail sur ce que tu fais maintenant chez Solary. Yes, je suis directeur des opérations chez Solary, donc je m'occupe de mettre en place un petit peu tous les sujets sur lesquels on veut bosser. Et pas énormément la team LOL, parce qu'elle fonctionne plutôt bien, mais je bosse un petit peu dessus de temps en temps. D'accord, et tu as toute notre admiration pour le travail que tu fais, Jinko. Du coup, on va pouvoir s'intéresser bien sûr au planning de cette journée, mais tout d'abord, on va se replonger dans ce qui s'est passé lors de cette quatrième semaine. On va regarder un petit peu, messieurs, les matchs qui ont vu s'opposer les équipes représentant le circuit français en semaine 4, avec quand même pas mal de surprises. Hein. Si on se souvient bien, on va pouvoir se pencher directement dans cette rencontre LDLC face à Easy Dream avec une victoire que l'on attendait de la part de LDLC. Oui, très logique, une victoire d'ici d'LDLC qui joue très très bien, notre leader du coup de la LFL qui a plus ou moins écrasé les pauvres Easy Dream qui sont en 0-8, notamment la Soraka de Bendo qui a plutôt bien marché. Ouais, Soraka qui vient un petit peu martyriser cette top lane, c'est toujours le sujet récurrent dans ce patch 10.3. Les Easy Dream qui tentent de répondre avec ce pick de Kennen top et apparemment c'est pas forcément la meilleure réponse. Non, très clairement, Kennen Harry, on l'a vu ici, ça n'a pas réussi à sortir une seule fois de lane une Soraka. Bien trop fort en teamfight après, et ça a déroulé tout simplement du côté de LDLC. Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à Soraka top? Ah, c'est la question, je pense que non. Ouais, non, clairement. Certains répondraient peut-être Sona. Ah ouais. On répond au feu par le feu. Moi, j'attendrais peut-être éventuellement une Tristana. C'est une réponse que j'attends de mes voeux, mais qu'on n'a pas encore eu la chance d'avoir. Tristana en solo lane qui est un peu oubliée d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est un petit peu oubliée, c'est Lucian plutôt qui prend un petit peu le pas sur elle. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien voir en réponse à Soraka, c'est peut-être Rengar au top, ou sinon un ban. Un ban, c'est le plus efficace. Un ban. Et d'ailleurs, on commence à voir pas mal de ban Soraka. D'ailleurs, on le verra dans les statistiques du match du jour. La deuxième rencontre, c'était Misfit Première face à MCES. Bon, une victoire de la part de Misfit Première, MCES qui sont toujours un petit peu dans le dur en ce moment. Ouais, ils ont un petit peu du mal. On a tenté ici de drafter du coup la Riven de Kazé, hein. Il est très très connu pour ce champion. Ça a pas très très bien marché. Aggressivo a très bien joué son match-up. Et après, encore une fois, bah, du côté de Misfit, c'est Kirei qui a fait beaucoup de travail sur les objectifs neutres, etc. Et ça snowball la game tout doucement, tranquillement. Comme on peut le constater quand même au début, un gros travail qui a été effectué par Joko, qui a pas hésité à chercher à jouer plutôt topside. Et on le voit là avec 5 kills pour seulement une mort. Le Zonia a déjà complété. Malheureusement, voilà, on peut voir à l'image le Wombo combo qui se met en place du côté de Misfit Première. Jésus qui confirme son statut d'OTP Miss Fortune, toujours très efficace sur le pick Tréton. C'est vrai qu'il le joue beaucoup beaucoup et là en plus du coup on avait Miss Fortune et Velko, c'est vrai les deux ultimates où les deux sont statiques et ça envoie du lourd en teamfight, ça a plutôt rendu pas mal du côté des Misfits. La troisième rencontre de la première journée c'était Gamers Origin contre GameWard. Bon, une équipe Gamers Origin qui était tout à fait convaincante, menée notamment par le Kennen Glass Cannon de Kennen, de Shemek. Shemek qui a fait des super gains de Shemek et de... C'est ma faute. Tu m'as mis dans le mal. Shemek qui a fait de superbes games de Kennen, il a vraiment très très bien joué le coup. Et c'est notamment Blurzor aussi pour moi qui s'est bien illustré avec son Elise, notamment en early game. Ouais, Blurzor qui a fait une très très grosse semaine, hein, semaine 4, dans sa rencontre face à MCES aussi, il a été très très convaincant. Bon, les Gamers Origin qui confirment semaine après semaine leur statut de top team FR. T'as parlé d'LDLC comme étant les meilleurs, tu les vois quand même les... Alors LDLC sont les meilleurs au classement, mais j'ai l'impression que Geo produit le meilleur jeu actuellement. Qu'est-ce que t'en penses, Jinko? Plutôt d'accord sur ce Ouais, je suis assez d'accord. Là, sur les games qu'ils ont produits récemment, bah, on voit ils sont vraiment sur une pente ascendante et ils progressent de semaine en semaine, en plus d'être déjà très bons de base. Donc, je pense que ça se confirme. Absolument, et Jinko, tu vas pouvoir revenir aussi sur cette rencontre Solary contre Vitality. Les Solary qui viennent mettre la fessée à Vitality Biz. Dans les locaux, ça devait être la fête, non? Ouais, alors maintenant, on s'y habitue. Hein. Les premières victoires, je pense qu'il y avait énormément, quelque part, un peu de... Peut-être pas de surprise, mais oui, c'était assez rare. Et là, bah voilà, on gagne encore. Donc, ça fait super plaisir. Forcément, on félicite les joueurs, on vit la victoire ensemble. Et, c'est super sympa. Super agréable comme sensation. Semaine à 2-0, bien sûr, avec, là, on le voit, hein, là. La Cassio de Tonnerre, très très efficace sur ce pic. Et moi j'attends de voir Tonnerre sur des pics tels que Cassio le plus souvent possible chez Solary. Je pense que c'est vraiment une clé, une composante efficace du win streak de Solary. Lui donner des champions qui ont beaucoup de DPS, beaucoup de dégâts. Je pense que c'est le carry principal aujourd'hui chez Solary. Et en plus il y a Manati qui est en train de step up, qui joue très très bien. Il a volé plusieurs dragons dans cette partie, dont un au Cinderhulk, à Joko notamment. Et clairement le duo mid jungle des Solary, ça progresse vite. Hein.
Ouais, je pense qu'ils ont beaucoup de confiance en eux maintenant qui s'est construite au fur et à mesure des scrims et là des victoires. Et bah, ça parle sur ce genre de game qui était pour coup assez serré en fait, où il y a eu des teamfights perdus parfois, et arriver à revenir, à rester dans les parties, c'est très important. Mentalement, ils ont su développer cette force. Et la seconde journée de la semaine précédente, encore une victoire de Solary, semaine à 2-0. Jinko, là, ça y est, il s'est habitué à gagner tout le temps. Je suppose que c'était plus aussi, vous n'étiez plus autant dans la ferveur de la victoire. Ouais, on y reste quand même. Hein, genre, chaque game est une victoire à prendre. Il n'y en a aucune qui est gratuite. Et du coup, on est toujours derrière les joueurs. Là, il y a Tonnerre qui a sorti un Aurélion seul. C'est assez unique. Donc, c'était plutôt cool de le voir. Bah, que, voilà, des fois, on critique parfois les champions de poule du côté Solary. Je pense que c'était un peu une réponse à ça. On est assez d'accord, hein, le pic d'Aurélion qui nous a convaincus. Je crois qu'il est pas mort une seule fois, Tonnerre, dans cette game. C'est impressionnant en plus de pas mourir contre Syndra et contre Lee Sin. Aussi, ce qu'on peut highlight, c'est la botlane, la fameuse Ash Rumble qui nous vient tout droit de Corée, qui a pas du tout marché ici côté Easy Dream. Ouais, une équipe Easy Dream dont on avait pu recueillir les sensations, notamment de Bloody, hein, qui voilà, on sent que c'est dur quand même la situation dans laquelle ils sont actuellement. Ils ont toujours pas débloqué le compteur de victoire, mais ils tentent des choses et je pense que c'est l'une des qualités qui pourra peut-être au bout d'un moment leur permettre de révéler leur potentiel. La game suivante, c'était MCES face à Gamers Origin, une victoire de la part des Gamers Origin et une équipe MCES vraiment méconnaissable. On les attendait, à chaque fois c'est de plus en plus dur, et là vraiment j'ai le sentiment qu'ils n'arrivent pas à se mettre en place, un combo Gragas Yasuo qui n'arrive pas à être efficace. Qu'est-ce qu'il leur manque? Alors surtout que c'est la première fois que l'early game se passe aussi mal, avec notamment Blurzor qui a totalement out jungle ici Joko. Il a super bien joué le coup, et ce qu'il leur manque, c'est assez compliqué à dire. Pour moi les drafts sont corrects, etc. C'est juste ça clique pas. Glopo est de l'autre côté, on a une équipe Gamers Origin qui joue super bien le coup, qui joue très bien en mid jungle, qui sait jouer teamfight et qui ici turn superbement au Nashor avec le fameux ulti de chez Mech. Franchement, Gamers Origin, c'est impressionnant. Ouais, tu l'as souligné, un Blurzor qui fait quand même une très très grosse performance. Il arrive à Out Jungle, Joko qui était le king de la jungle de la LFL saison précédente, un peu avec skins. Là, on revoit les interventions magistrales de chez Mech sur son pick de Kennen. La troisième game de la dernière journée de la LFL, c'était Vitality B contre GameWard, avec cette victoire de GameWard que j'avais pronostiqué. C'était votre cas, messieurs? Oui, 100% de winrate en pronostiqué la semaine dernière, donc on est plutôt incroyable. Enfin, sur une journée, pardon, pas sur la semaine entière. Et oui, bah, très bonne game de GameWard, hein, explosif comme on les connaît. Et on sent Vitality que ça commence un petit peu à pêcher, avec notamment bah, Saiken qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça commence à avoir du mal pour les abeilles. Jinko, une game bien explosive, notamment de Karim KT. Ouais, bah c'est GameWard au final la bonne surprise, hein, de la LFL cette année. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça de monde qui les attendait à ce niveau-là. Et Vitality, c'est justement l'inverse. Voilà, on sait, bon, d'ailleurs, on y reviendra dessus, les difficultés qu'ils ont au niveau du roster. Et GameWard qui les exploite. Très bien. Tu l'as dit, on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur la situation de Vitality, qu'il s'agisse de l'équipe 1 ou de l'équipe 2. Donc voilà, Vitality contre GameWard, mené par un Karim KT que j'ai trouvé bouillantissime sur sa élise, qui tente des prédicts avec Flash Cocon prédict pour essayer de complètement détruire notamment Saiken, un duo mid jungle explosif de la part de GameWard, et voilà une victoire un petit peu dans le plus pur style GameWard, toujours l'agressivité, toujours le rythme. On le voit même là, cette fin de partie elle est pas du tout clean, hein. C'est vraiment, on est devant le Nexus, on essaie de taper un petit peu tout le monde. Et ouais, c'est vrai que GameWard c'est l'équipe de Rocket qui surprend, et tu l'as dit, bah, c'est Karim KT qui dit lui-même qu'il apporte un petit peu ce style suragressif, donc très content de les avoir en LFL. Absolument, un style qu'on avait vu déjà, dont on avait vu les prémices chez AAA dans la saison précédente de LFL. La dernière game de la semaine dernière, c'était Misfit première face à LDLC, une confrontation que j'ai trouvée particulièrement savoureuse, puisque on sait que entre VTO et Jésus, ils sont copains les deux, mais il y a une petite rivalité, ils se sont affrontés, Misfit qui s'incline, ça restait quand même une belle rencontre. C'était une très très belle rencontre, je pense que c'était vraiment un pain de sang, ça partait un petit peu de partout dans les deux côtés, on le voit ici 7-7 en 14 minutes de jeu, je crois qu'il y avait un kill par minute en moyenne dans la partie, ça a superbement bien joué, notamment cet escape de Yellowstar qui est absolument insane. Il y a eu beaucoup de choses dans cette partie, je vous conseille là, fortement de la regarder. Il faut bien se dire que Yellowstar, il va s'en sortir. On s'y attend pas. Hein. C'est incroyable, hein. c'est vraiment, et ce move-là, je pense qu'il est un peu représentatif de ce qui s'est passé dans la game. La stopwatch avec le coup de langue est incroyable. C'est superbe. Non, et est-ce que c'est pas représentatif de Yellowstar aussi, sa reconversion en tant que joueur? On l'attendait pas forcément, tout le monde était là par lui taper dessus, il avait pas trop d'HP, et au final, bah, des exceptionnelles performances de la team LDLC, donc... Impressionnant. LDLC qui occupe le toit de la LFL actuellement au niveau du classement, on pourra se pencher dessus, alors qu'on voit cette phase de teamfight devant le Baron Nashor. Et en vrai, pour moi, ce genre de game, c'est vraiment le spectacle que l'on peut attendre toutes les semaines de la LFL.
Oui, donc clairement, en vrai, ça joue pour casser du coup beaucoup de LEC et de LFL. Je prends plus de plaisir limite en LFL parce que ça joue un peu beau jeu, ça joue spectacle et c'est pas non plus dégueulasse. Tu vois, il y a des bonnes rotations, ça, les mécaniques sont bonnes aussi et globalement, il y a beaucoup beaucoup de bonnes équipes. Je pense qu'on a genre 6-7 équipes qui sont dans un mouchoir de poche. Bon, je mets un petit peu Easy en retrait, mais même Easy pourrait potentiellement devenir une bonne équipe. Ils en ont parlé en scrim, tu l'avais dit, ça se passe de mieux en mieux côté Boudi, etc. On espère du coup les voir revenir. Ouais, complètement, c'est l'équipe que l'on attend alors qu'on voit les LDLC conclure cette rencontre face à Misfit Première, ce qui nous permet aussi de clore le récap sur la semaine dernière. Du coup, on va pouvoir faire un point, messieurs, sur le classement actuel des équipes au début de cette semaine 5, qui va être d'ailleurs composée uniquement de matchs retour. Donc là, on a pris la température, normalement, on est quand même bien avancé dans la saison et on va peut-être pouvoir, au niveau des pronos, être un peu plus précis. D'abord, le point classement, Tréton, tu l'avais dit, LDLC premier, 7 victoires pour une défaite, suivi de très très près par Gamers Origin et Vitality B. Gameward, 3e ex-aequo avec Vitality B au passage. Ensuite, 5e ex-aequo, Misfit Première avec Solaris. Solaris, 4 victoires, 4 défaites. On est loin du spectre du 2-12 qui planait au-dessus de leur tête au début de saison. Et puis derrière, dans le dur, MCES et Easy Dream. Bon, à mi-chemin, à mi-parcours, que pensez-vous de l'état de ce classement ? On en parle chaque semaine, c'est MCS qui est le plus surprenant, je pense. On les sentait bien plus haut. Maintenant, c'est vrai que Vitality B commence à ralentir, une semaine en 0-2 la semaine dernière. C'est vrai qu'avec les problèmes de roster, c'est assez compliqué. Et du coup, on voit LDLC et Gamers Origin vraiment qui se démarquent sur le top du classement LFL. Ginko, plutôt d'accord ? Ouais, ouais. Et là, on le sait que pour les équipes, l'objectif, c'est le top 5 hein, pour être dans les playoffs. Donc là, ça commence à se compliquer pour MCS et Easy Dream. Ils n'ont plus trop le droit à l'erreur. Donc il y aura un focus particulier, je pense, sur leur match. Pour les autres équipes, bah, c'est sécuriser en gros cette place, essayer d'aller le plus haut possible par opposition à d'autres ligues où au final, ton classement n'est pas si impactant que ça. Bon, ça te permet forcément d'avoir un bail. Là, en fait, si tu termines premier de saison régulière, tu es déjà en finale des playoffs. C'est assez énorme. Donc, tous les matchs comptent, en fait, même si on est dans cette deuxième partie de saison et que les playoffs sont, je pense, quasiment sécurisés pour LDLC, par exemple. Donc c'est intéressant de continuer à suivre ça, de voir aussi l'évolution. Bah pour Solaris, nous, on est sur 3 victoires d'affilée. Donc, il y a aussi ce côté, on est sur une pente ascendante, même si on est qu'à 4-4. Ce qu'on mettrait pas plus, non, ce qui est très très bien déjà, vu comment ça avait commencé, on pouvait un peu s'inquiéter. Chez Solari, ce qui revient régulièrement, c'est on joue pour le titre. Est-ce que tu confirmes l'état de forme, l'état d'esprit ? On joue le titre. Ça gagne 2-0 cette semaine aussi ? Ouais, parce qu'on joue le titre. Ok, c'est bien, voilà. Ginko qui s'est prononcé. On attend de voir ce que va nous proposer Solari. Donc voici pour le point du classement des équipes. Il y a un autre classement qui nous intéresse. Il s'agit de celui des pronostics au niveau des commentateurs et de vous qui nous suivez et qui êtes réactifs sur Twitter. Et on va s'intéresser d'abord... On va s'intéresser d'abord aux perdants, à ceux qui occupent le bas de l'échelle des pronostics. Et on va pouvoir directement se pencher dessus. Quels sont les pires pronostiqueurs de l'équipe pour cette LFL ? Roulement de tambour. Incroyable. Ah, il y a du monde tout en bas de l'échelle. Gardoum, Skyheart, Chips et Noir, voilà, avec leur bonnet d'Ann, avec la mention dernier en lettres capitales écrites sur le front. Est-ce qu'au final, on pouvait pas s'y attendre ? Alors, Noir, je m'y attendais. C'est dit. Noa qui est juste à côté d'ailleurs, hein, qui peut réagir en direct. Le reste, en tant que caster vraiment censé être intelligent dans l'intellect, je suis un petit peu déçu, notamment par Skyheart, que je voyais peut-être plus haut, et là surtout avec cette tête qu'il nous fait sur le desk, assez incroyable la photo de Skyheart juste derrière toi. C'est juste parce qu'il ne te regarde pas, je pense. S'il s'y met, il sera premier, aucun souci. Chips et Noa, Ginko, on en parle ? Ouais, bah c'est des dinosaures hein, quelque part sur la scène et ils arrivent quand même à se tromper, c'est dommage, mais je sais pas ce qui leur a manqué, peut-être trop absorbé par des performances d'autres équipes plus prestigieuses et à défaut de Tréton par exemple, qui lui connaît bien cette scène française, que c'est ça ton secret hein ? Ouais, mais après, moi, je suis pas totalement promis. Il y a Twitter qui me bat, qui connaît encore mieux la scène française. Twitter, incroyable. Hein. Bah, Twitter, il vote pour Solari. C'est vraiment les meilleurs. En vrai, c'est ça. Le pire, c'est que c'est ça. D'ailleurs, on va voir si, comme la semaine dernière, Twitter sont sur le toit du monde au niveau des pronostics, puisqu'on va s'intéresser à la position au premier du classement des pronos. Est-ce que Twitter est toujours premier ? Et surtout, est-ce qu'on a au moins un caster qui peut égaliser la performance de Twitter ? Roulement de tambour. Et la réponse est non, bien sûr. Twitter, premier au pronostic. Voilà, messieurs, je pense qu'on va finir par déserter le plateau et laisser peut-être inviter des gens de la commune pour venir animer et faire les pronostics à notre place. Twitter, bravo, vous démontrez votre capacité, votre grande connaissance de la scène française, votre capacité à occuper la tête du classement. Et voici le détail des pronos.
Pourtant, j'ai fait un 100%, quoi. J'ai fait un 100% et je n'arrive toujours pas au niveau de Twitter. T'étais pas bien loin, trop fort. Hein. T'étais vraiment pas loin. 71%, t'es battu que d'1% par Twitter. Somme. Et pourtant, t'avais fait 100% semaine dernière. Vraiment compliqué. Donné, Moi, je suis pas loin, ceci dit. Hein. 69% de mon côté. Avec Twix, du coup. Et en vrai, le bonnet d'âne, il était pas loin pour moi non plus, au passage. Hein. Je suis qu'à 3% devant les derniers. Ouais, ça se joue à pas grand-chose. Je me dis, quelque part, cette victoire Twitter, est-ce que c'est pas le symbole de... le pronostic, c'est comme League of Legends, c'est un jeu d'équipe, en fait. Et une personne est forcément moins bonne qu'une collectivité qui va mettre ses connaissances en commun et arriver à performer autant, je sais pas. C'est peut-être ça la raison. C'est une très belle façon de penser, Jinko. Et du coup, on va voir si dans les semaines, ça va continuer de se confirmer. Pour le moment, Twitter, premier. Bravo à vous, bien sûr. On va s'intéresser maintenant au planning de cette soirée de LFL. On va savoir quel est un petit peu l'ordre, le programme des réjouissances. Avec une première game, on verra GameWard contre EasyDream pour ouvrir cette soirée. GameWard contre EasyDream. EasyDream, peut-être la première victoire, messieurs. Ah, je pense que ça va être compliqué pour un GameWard, est vraiment très, très en forme. Après, s'ils enflamment un petit peu la partie et qu'ils se ratent sur un ou deux dives, pourquoi pas côté EasyDream. Et peut-être aussi des drafts particuliers qui pourraient essayer de nous sortir. Je pense qu'il va falloir cheese de leur côté. Okay, tu penses qu'il y a moyen de punir peut-être l'over-agression de Karim Kate? Est-ce que je me disais, plus la saison avance, plus ce côté un peu très fou en fait dans ses précisions, il n'y a pas moyen de capitaliser en analysant les replays, en se disant bon, c'est sûr que Karim Kate dans telle situation, si on le met là, si on l'accule, il va faire cette erreur-là et on peut capitaliser dessus. Tu penses que c'est une stratégie? Je pense que c'est carrément possible. De toute façon, jouer le counter-rank, c'est quelque chose qui est possible sur League of Legends, et c'est notamment aller chercher les wards sur les camps très très tôt pour avoir l'information. On pourrait voir ça contre GameWard, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on avait vu hein, lors du split précédent que AAA s'était illustré dans le premier split par son agressivité. Et dans le second, ils étaient complètement lus, ils étaient complètement prédicts et ils se faisaient systématiquement punir. On va voir si on arrive à préparer ce genre de réponse contre une équipe GameWard très, très agressive. La deuxième game de cette soirée, Solari face à Misfit première. Est-ce que tu as des insides à nous livrer, Jinko? Je sais qu'on a des drafts solides de préparer. J'ai confiance dans les joueurs. Je pense qu'ils ont... ce qu'il faut pour aller chercher la victoire à la fin en tant que collectif, mais aussi sur les picks. Donc non, j'ai pas d'insight à balancer sur les picks précis qui sont préparés, parce que s'ils sortent pas, c'est quand même dommage de donner des stratégies. Ils finiront par sortir. Ils finiront pas sortir, mais on les verra directement dans la chambre select et pas dans la bouche. Très bien, ça marche. On compte sur ton secret professionnel, bien sûr. MCES face à LDLC, encore un match que l'on attend en faveur de LDLC, qui est toujours premier au classement. Bon, un peu même question, même constat que pour EasyDream. Est-ce qu'on peut avoir peut-être le réveil de MCES ce soir, messieurs? Je pense que les deux équipes, quand même, EasyDream et MCES, ne sont pas trop comparables. Maintenant, on a du coup Joko qui va jouer contre son ancienne équipe. Il devra avoir à cœur, j'imagine, d'essayer de prendre une seconde victoire juste ici. Je pense que ça va être un match intéressant. Ouais, est-ce que l'équipe, maintenant qu'elle a pris le temps de parce que c'est des bons joueurs en fait, ça on le sait, est-ce que maintenant ils ont réussi à créer cette ambiance de groupe, ou est-ce que en fait il y avait tout simplement pas moyen, hein, c'est voilà des individualités qui sont peut-être pas connectées. À voir, sachant que ça s'est construit autour de Joko et Moves, donc dans l'absolu ça... De très bons joueurs, ouais. des bons vétérans, absolument. Etc. On espère qu'ils vont du coup pouvoir nous faire quelque chose, au moins une bonne game contre LDLC, un peu les bousculer. Complètement, surtout que des insights qu'on a, visiblement, il y a quand même une bonne ambiance. Ils s'entendent bien in-game, ils arrivent à bien se comprendre en jeu, donc on ne sait pas. Lorsqu'ils sont en condition, ça ne clique pas, ça ne fonctionne pas. Mais on espère qu'ils vont pouvoir nous révéler leur plein potentiel. La dernière opposition de cette soirée, c'est Vitality B contre Gamers Origin à 23h. Et il s'agit d'ailleurs du match de la journée. On a d'ailleurs un petit dossier, on va pouvoir se pencher un petit peu sur les deux line-up pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de changements. Vitality, on connaît la situation, on sait qu'au niveau des rosters, ils doivent un peu jongler avec les visas, ils doivent un petit peu jongler avec les problèmes administratifs. Et d'ailleurs, on va devoir procéder à des modifications. On va vous montrer le roster qui va être aligné. Alors d'abord, Gamers Origin, pour le moment ça ne bouge pas. Shemek sur la top lane, Blurzor dans la jungle, Tuku mid, XD Smiley et Uslin B sur la bot lane. Une équipe GO qui est extrêmement solide en ce moment. Super solide, de très bonnes synergies qu'on voit de suite avec Shemek et Blurzor qui jouent ensemble depuis très longtemps. Pareil du côté de la bot lane, c'est Tuku un petit peu le petit nouveau. Il s'adapte super bien et c'est une équipe qui fait très peur. Complètement, Blurzor en plus en très très grande forme la semaine dernière. Donc Gamers Origin qui à mon avis est affûté, préparé pour cette rencontre contre une équipe Vitality qui a été remaniée pour l'occasion. Il faut ajuster, il faut faire des modifications pour jongler avec les visas. Et comme vous pouvez le constater, je vois que ça t'arrache un petit sourire, Triton. Je vais te laisser décrire l'équipe actuelle. Il faut expliquer, donc c'est Comp qui va descendre du coup du LEC pour faire des gammes en LFL. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne jouera pas en LEC cette semaine, de ce que j'ai compris. Et du coup ce sera Lucker, donc l'ADC
normal des Vitality B qui va aller directement en top lane. Donc ça va déjà en draft, ça va être particulier, enfin tout va être particulier. Et on a deux joueurs LEC pour la première fois qui joueront du coup en LFL, deux joueurs dans la même équipe, incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. Et là, comme si on fait le bilan, Steelback c'est un ancien carry AD qui est passé support. Sur la top lane, on a un ancien carry AD qui passe top laner. Est-ce qu'au final, ça veut pas dire quelque part que les carry AD sont les meilleurs joueurs de League of Legends, Jinko? Bah ils vont quand même continuer à clic droit quoi, donc je sais pas si ça va vraiment faire la différence, mais ouais ça peut impacter la draft hein. On peut imaginer genre 3 carry AD en fait avec Sena pour Steelback, ça pourrait être drôle, ouais. Peut-être ça serait peut-être la solution, on va voir. En tout cas du coup Vitality B voilà qui est dans la difficulté, qui doit trouver des solutions. Alors moi j'aimais beaucoup Doxy sur la top lane qui je trouve faisait un très très bon boulot. Il a été recruté dans une autre équipe, on a essayé avec Ziraz, maintenant c'est Lucker qui se retrouve sur la top lane, et là sur la top lane il va affronter Shemek quand même. C'est forcément difficile, Shemek va forcément travailler des picks j'imagine en fonction des ADC. On va sûrement voir aussi des bannes Lucian, peut-être Tristana, tous les ADC qui peuvent un petit peu se jouer en lane. Je connais pas du tout évidemment le niveau de Lucker sur une top lane. Après Comp et Steelback, on l'a vu l'année dernière, ça marchait bien chez LDLC. Bon, Sakon, ça reste très très solide. NG, pareil, sur des picks engage. Il y a des choses à faire côté Vitality. Évidemment, ça risque d'être compliqué contre un gros Géo. Il y a des choses à faire. Déjà qu'on dit en solo queue, quand t'as un autofill, t'as perdu. Alors quand t'es en LFL, si t'arrives à gagner avec ça, c'est quand même impressionnant. Ouais. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on avait dépassé ces problèmes-là. En fait, j'ai l'impression de voir un peu la scène d'il y a 4 ans où tu étais obligé de remplacer des joueurs chaque semaine. Il y avait toujours des changements parce qu'un tel n'était pas dispo, où il y avait plein de soucis. Et c'est dommage. Et je suis un peu triste de voir ça parce que ça va être super dur pour le cœur en soi. J'espère qu'il va réussir à sécuriser un petit horn et farmer top lane, ou alors tenter un ADC et snowball la lane. Et ça se trouve, ça va être complètement différent. On va découvrir un nouveau playstyle et ça va se tomber. Mais j'y crois pas, franchement. Ouais, voilà, peut-être. Voilà, on rappelle quand même que c'est contre Shemek, donc compliqué d'aller surprendre un top laner aussi bon, aussi expérimenté. Du coup, voilà, pour les points line-up, on va s'intéresser aussi à quelques statistiques de cette rencontre, jugée comme étant la plus intéressante de la soirée. La plus pleine de surprises aussi, certainement, vu les modifications qui ont eu lieu. Et là, on peut regarder un petit peu déjà le win rate. 5-3 des deux côtés, même si Vitality est en perte de vitesse naturellement ces derniers temps. Un temps moyen qui est quasiment le même. Attends, il y a un problème sur GE en 6-2. Je suis sûr et certain que GE en 6-2, parce qu'ils ont fait qu'une seule semaine en 0-2. Donc bravo Carnage pour tes graphiques, tu pourras les revoir s'il te plaît. Tu serais en train de dire que Carnage aurait mal fait son travail. Je crois qu'il a très mal fait son travail. Sinon, on peut voir évidemment les golds moyens, tout est à peu près even entre les deux équipes. Il y a le gold à 15 minutes où GE snowball plus vite, on a l'impression, surtout l'early game de GE qui est très explosif, notamment avec Burzor. Exactement, un early game qui fonctionne très très bien. Il y a quand même une stat que je trouve très intéressante, c'est cette domination au niveau du contrôle des dragons sur les bot side de Vita. Est-ce que du côté de GE, on n'aurait pas plus tendance à jouer topside? Alors c'est possible qu'on joue plus topside, je pense aussi que Burzor est quelqu'un qui va jouer beaucoup plus pour les camps et un petit peu pour sa jungle à lui de son côté, là où un joueur comme NG va beaucoup plus jouer les champions teamfight, les objectifs, essayer d'aller aider un petit peu son équipe, et c'est peut-être la différence qui est faite ici. Ouais, est-ce que le contrôle des dragons, c'est pas un peu le deuxième prix? Parce qu'on voit souvent des équipes souffrir en early game, et l'équipe qui veut snowball son lead, qui a cette force-là, va essayer au contraire d'aller swap, d'aller chercher un Herald, de prendre des tours, et l'autre équipe va récupérer un dragon un petit peu gratuit par défaut. Donc je suis pas sûr que ce soit une statistique tant positive que ça. Ouais, c'est vrai. Après, bien sûr, tout dépend de la game. On a beaucoup ce swap lane aux alentours des 7 minutes, 8 minutes, quand le premier dragon a été fait pour aller jouer le héros de la faille. Mm-hmm. Mais on a le scénario aussi où une équipe va carrément laisser de côté le dragon, aller chercher le héros de la faille et chercher à snowball son avantage en prenant les deux héros de la faille, quitte à sacrifier les deux ou trois premiers drakes, parce qu'ils ont confiance et ils savent qu'ensuite, une fois dans le mid game, ils pourront jouer full bot side et récupérer tous les dragons qui apparaîtront. Donc voilà, c'est vrai que c'est une stat qui peut peut-être être un peu trompeuse. On va voir ce qu'il en sera dans cette game. On a d'autres statistiques pour cette rencontre, messieurs. Il s'agit des picks qui sont prioritaires, des picks qui sont récupérés et des picks qui sont bannis, avec cette stat qui me fait plaisir, 38% des bans Soraka quand même. Oui, c'est pas mal, et du coup on voit directement le ban Vladimir aussi du côté de Géo pour avoir joué avec Shemek. C'est un petit peu une hantise, Dan nous a un peu traumatisé à plusieurs reprises. C'est normal. Clairement, je vais pas dire le contraire. Non, mais en Ligue française, Vladimir, bah oui, c'est vrai que ça arrive aussi. On a pris Charlie Vladimir. Ouais. C'est salut à tous, je crois, qui jouait Vladimir. Ouais, il y a des games qu'on pensait gagner et il y a eu Vladimir. Voilà. C'est terrible. Plus. Après, on peut voir directement aussi l'état de forme des deux équipes. Hein, Vitality qui est sur une victoire et trois défaites sur les quatre derniers matchs, ça fait assez mal. Et de l'autre côté, Géo, trois victoires, une défaite. C'est vraiment en train d'enchaîner. Ça s'est bien mis en place. Absolument, ces stats sont les bonnes. Le ban de Lee Sin aussi qui va peut-être être au centre des attentions dans cette rencontre. On va voir si le pic sera disputé. Mm. 38% de ban de Horn aussi, chez Mec qui n'a pas envie de jouer contre du tank.
Chez le mec qui a peut-être pas envie de jouer contre du tank, c'est vrai qu'on veut, le faire snowball, on pique aussi beaucoup de Camille, etc. pour lui, pour essayer de le faire passer devant. Il a pris un pic de Vlad, donc pourquoi pas aller essayer de, du coup, de chercher la différence sur la top lane. Là, on va sûrement voir des bannes ADC. Et c'est surtout en bot lane, je pense que ça va beaucoup se jouer avec du coup XD, enfin une bot lane quasiment LEC, pour le coup, contre du coup la bot lane suédoise de Geo, à voir comment ça va un petit peu se gérer. C'est vrai que le focus sur le bot side, alors autant sur la top lane, vraiment tous les points d'interrogation sont autorisés avec le cœur qui va jouer top contre Shemek, mais sur le bot side, on a quand même un niveau qui est particulièrement relevé entre les bot lanes. Ouais, clairement, ça, c'est... Enfin, il va y avoir du gros niveau, comme tu le dis. En termes de pic, est-ce que ça va beaucoup changer? Parce qu'on change de patch, donc sur cette semaine, on est sur 10.3. Alors 10.3, on l'a déjà vu en LCS et en LEC cette semaine. Donc on a quelques games dessus. Niveau ADC, ça ne change pas des masses. Il y a peut-être le retour de Varus qui pourrait arriver. Je crois qu'Izesmaïl est un gros joueur spécifiquement. C'est un gros joueur de Varus. On a aussi le retour de Yumi, on a le retour de Ezreal pour la botlane. Donc les pics vont un petit peu changer. Et c'est marrant de voir du coup ces deux botlanes se jouer. Steelback et Comp, ils ont vraiment l'étiquette LEC, alors qu'au final, l'année dernière, c'était exactement pareil et ça se jouait du coup avec LDLC et Geo qui avaient les mêmes botlanes. Donc ça va être marrant de les voir sous des nouvelles couleurs avec l'étiquette LEC, ce que ça va donner. Est-ce que ça va mettre de la pression sur les joueurs Geo ou au contraire, justement, ils vont avoir envie de les démolir pour prouver qu'eux aussi pourraient aller en LEC? Je suis vraiment pressé de voir la phase de line-up bot. Absolument, on aura la loupe qui sera braquée sur le bot side dans cette rencontre. Donc voilà, pour le point en dossier du match of the day, Vitality contre Gamers Origin. On arrive à la fin de ce pré-show, messieurs. On va pouvoir s'intéresser dans quelques instants à la première game de la soirée. On rappelle qu'il s'agira de Game Ward face à Easy Dream. Ce sera après une petite pause. Messieurs, merci, restez avec nous. On vous dit à tout de suite. Je repeindrai les quais avec leur sang. We came to fight, we came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. Yeah, yeah, this is our year. Now this is that one. C'est juste pour mettre ses jambes. C'est jambes. I had to stop being base. Part of my dreams had to chase. You counted me out, I counted me in. We fell off before, but never again. They watched me out, I never fit in. C'est juste pour mettre ses jambes. Ta vie ne tient qu'à un fil. Oh, le flashy, attention, bien modal du côté des Gamers d'Origin. Karim Kate qui tente de se repositionner, mais on n'échappe pas. Allons, vu tout puissant d'Antimuden. Il est temps de frapper. Jimmy, oh, le passe. Je suis le temps. On n'a pas attaqué notre maître. C'était des gars très chers. Je ne peux pas bien faire, trois kills. Mesdames et messieurs, sur le plateau de la LFL pour cette cinquième semaine de compétition qui ouvre officiellement ses portes. Le premier match qui arrive dans quelques instants, Easy Dream contre Game Ward. Et bien sûr, mes chers Treyton et Jinko, on va pouvoir s'atteler bien sûr à la phase de draft. Comme tu as dit, Jinko, tout à l'heure, match 10.3. Donc on va pas mal redistribuer d'éléments. Ça va être très intéressant à voir. Mais pour le coup, 10.3, nouvelle manière de jouer, nouvelle manière de gagner une game pour Easy Dream.
Ah, peut-être, écoute, hein, ils pourront peut-être jouer Yumi par exemple, j'espère vraiment pas. On a vu les Karthus, les Sejuani, enfin il y a beaucoup de picks qui vont un petit peu changer, notamment en jungle. Après, Bloody, c'est pas son style, Karthus. Est-ce que vous pensez, messieurs, que justement sur un changement de patch, sur ce patch-là particulièrement, si on arrive à mieux le comprendre que les autres équipes, on peut effectivement hold up un point ou deux? Ouais, et je pense que c'est la stratégie qu'il faut adopter quand on est dans ce genre de situation où on n'a pas réussi à accrocher des games, on va dire on est dans la même stratégie que l'adversaire. Il faut aller chercher autre chose. Je pense que même globalement, en fait, personne a trouvé la meilleure façon de jouer. Est-ce qu'il faut jouer des compos early et snowball sur les dragons? Est-ce qu'il faut jouer des compos early, laisser les dragons et snowball sur les gold? Il n'y a pas vraiment de compos LED qui sont joués, mais avec les buffs de l'XP, peut-être que maintenant il faut ressortir du Karthus. Possible, hein. Donc il y a ces questions-là qui sont en l'air. Et la LPL n'a pas repris. Je crois qu'elle a repris peut-être cette semaine, enfin en tout cas c'est compliqué. Mais non, on n'a pas énormément de modèles. On a une semaine de LEC, une semaine de LCS, après ouais, ce qu'on LCS, veut. Une semaine de LEC. Et on est déjà dans la draft. La Corée qui va commencer aussi très bientôt, mais pas encore du coup, donc c'est vrai que c'est un peu les premiers matchs. Ouais, on sait pas. C'est la LFL, c'est pour ça qu'on l'adore. Et on a un ban de Soraka, grande surprise. On est en avance sur les patchs, ban de Soraka, red side, comme d'hab, voilà, j'ai envie de dire. Et Tristana, donc qui est ban en effet, peut-être. Pour ses becs. Il avait déjà flex, et aussi on peut noter qu'il n'y aura plus de ban Akali, notamment en red side. Très grand important. Changement du 10.3, et du coup c'est un buff indirect pour le red side. Absolument, donc Aphelios qui prend cette place bien sûr de ban titulaire en red side, on l'imagine bien. Ouais. Et on va voir maintenant la conclusion pour Game Ward. Yumi. Le démon. Alors Yumi a été buff, mais est-ce que c'est... Enfin, quelque part, donc Soraka maintenant est permaban, Yumi va être assez régulièrement en ban. Est-ce qu'il n'y a pas globalement un pouvoir des enchanteurs qui pourrait revenir un peu plus sur le devant de la scène par rapport au support tank? Ça a l'air d'être lié à ces deux personnages en particulier. Après, bon, l'expert support, c'est toi. Alors Yumi, au-delà du fait que ce soit pas du tout agréable à voir ni à jouer, c'est aussi peut-être le retour d'Ezreal. C'est subjectif, ça. Il y a aussi Ezreal qui revient un petit peu. Ouais. Du coup, forcément, la botlane Yumi-Ezreal marche très très bien. Maintenant, pour moi, le champion, c'est un petit peu un bait en ce début de patch. Ça n'a pas très bien marché en LEC. Et des picks comme Leona et Nautilus, notamment, sont toujours très très forts. Ça va finir en plus. On n'a pas banni le Lee Sin de Karim KT. Beaucoup d'équipes ont fait cette erreur et elles ont toutes perdu face au Game Ward. Donc ça va être très intéressant de voir si Karim KT pourra maintenir sa suprématie. Et de l'autre côté, une ouverture au Gragas. Forcément, on se pose la question du Yasuo. Mais pour l'instant, ce sera une Miss Fortune. On ne change pas les priorités. Un petit peu déçu, peut-être il y a un pick qui marche très très bien, qui a été buff, c'est Sejuani contre Lee Sin. C'est vraiment pas mal. J'aurais bien aimé l'avoir juste ici. Maintenant, bon, Gragas, Miss Fortune, forcément, c'est très fort. Ouais, après, Gragas, il va galérer en early contre Lee Sin. Il y a moyen qu'il se fasse bully peut-être dans sa jungle. Connaissant Karim KT en plus. Connaissant Karim KT, c'est surtout ça. Parce que normalement, les Gragas, bon, les coups de bidon pour interrompre les dash. Quand tu joues défensif, t'y arrives à peu près. Mais Karim KT, il est un petit peu plus tendu que ça quand même. Ouais, Karim KT plutôt chaud. Et en plus, les fights qui vont durer longtemps, forcément, le Conqueror, on pourrait avoir des petites invades un petit peu dans la jungle. Ça va dépendre des prios. On n'aurait pas préféré Jarvan pour aller avec cette Miss Fortune au passage. Puisque quand même, Gragas, Miss Fortune, ça a l'air d'être un petit peu contre-productif comme synergie. Ouais, bah on l'a vu ce week-end avec une game de TSM notamment où il y a Gragas qui a fait plusieurs ultis, qui ont sorti les mecs de l'ulti de MF, c'était d'une tristesse à regarder. On est ravis de réaccueillir l'Amérique du Nord à nouveau, hein, bien sûr, sur les broadcasts français. Manifestement, toute la Bud Light a été ingérée pour le gameplay. On a Cassio, on a Xayah. T'en parlais du pick Jarvan, pour moi c'est clairement super fort avec Miss Fortune, par contre contre Lee Sin c'est un petit peu compliqué le match-up, donc on peut comprendre le fait de pick Gragas contre, et là on a directement un Thresh plein pick par Nolan. Alors, t'es spécialiste du Thresh, hein, du coup, tes recommandations. Techniquement, on met un petit ban Nautilus, et après, normalement, on est plutôt bien. Après, on a peur du Xayah Rakan. Est-ce qu'on va ban le Rakan ou on est confiant pour jouer contre? C'est possible. Ouais, Thresh, il peut cancel certaines activations de Rakan. T'as une phase de lane qui est plutôt correcte. On a la lanterne aussi pour essayer d'éviter un petit peu le gros combo Xayah Rakan en teamfight. C'est un truc très skillé, mais qui est largement jouable, Thresh, dans Xayah Rakan. On décide de pas le faire. Sérieusement? C'est vraiment nul. Sérieusement? Il ressemble vraiment à Seth Rakan. Hein. Carrément. Ah ouais, j'avais carrément remarqué. J'avoue que sur l'expression faciale, c'est le même motion capture, c'est le même acteur. Il y a le Ziggs également. Un Ziggs, bon, je sais que voilà, t'as fait un petit peu la langue de bois dans le pré-show pour les drafts Solari, mais on sait qu'il est dans les vagues. Ah bah oui, Ziggs, bah, on l'a montré en LFL. Il n'était pas patché. Il était pas patché. Alors après, le patch, pour moi, il apporte. Enfin, Ziggs, il a besoin d'une méta qui lui permet d'être fort
plus que de statistiques, je pense. Et ben on l'a joué, on a gagné avec, donc quelque part, il y a cette opportunité si au niveau de la draft on la voit. Donc, Et maintenant, une one shot les casters mignons sur 3 ou 4 rank queues, ce qui change pas mal quand même dans un, dans un microcosme mid laner. On a Fiorat banni, c'est un ban qui sort pas très très souvent. Pour ça nous met la puce à l'oreille sur Aatrox. Aatrox, exactement. Aatrox normalement pour Easy Dream. On en parlait de Ziggs, il y a aussi les 3 nerfs du coup des gros ADC, même si c'est pas des nerfs monumentaux, à part pour Senna qui est très particulier. C'est des fixes. On a du coup Ziggs en bot lane pour Wax qui pourrait beaucoup remonter en termes de priorité. Moi je vois bien des petits Ziggs bot lane sortir, même pas que en LFL d'ailleurs. Et on a une Leblanc pour terminer cette phase de ban, donc réouverture pour Lazy Dream avec plus que les postes de solo lane qui sont disponibles pour ces derniers. Très logiquement Aatrox ici, à moins qu'on ait ban Fiora pour un Kled, mais ça m'étonnerait. Ça peut marcher aussi évidemment. Parce que c'est vrai que le Kled peut être une option étant donné qu'il y a toujours un Vladimir qui pourrait sortir. Côté SLT, donc là on a le Horn, on a banni la Fiora, on bait le Vladimir dans le Horn et on la speak Kled. Non. Voilà, j'ai fait la draft. Non, je pense juste qu'ils avaient peur de counterpick Fiora. Bon, ok. Je pense que ça lui a tous été très très bon sur les splitters, notamment en solo queue. Ça doit être l'un des top laners les plus skillés, je pense, qu'on a en LFL. Et forcément, on a un petit peu peur d'un gros snowball en side. Je peux comprendre le ban ici pour Vince. Ouais, après on n'a pas d'engage de la part de Game Ward et on pique le Nautilus. Nautilus qui peut assurer ce rôle pour tout le monde, on l'imagine bien. Et donc le last pick qui sera a priori solo lane, donc, parce qu'il y a toujours une hypothèse selon laquelle Cassiopeia ne serait pas mid lane, même si contre Horn, bon casque adaptatif direct, c'est un problème réglé. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Moi je sens bien un petit Vlad. Ouais, hein, Vlad pourrait très bien rentrer, surtout que Vlad ça marche bien évidemment contre Horn, t'as une free phase de lane et derrière contre Thresh, le champion ne peut pas faire grand chose. Et c'est le Aatrox directement. Ouais, petit boomer ici. Et donc du coup, la flexibilité peut-être pour les Easy Dream, mais non, ce sera une Zoé tout simplement, last pick pour Sebex, donc outrange massif de Cassiopeia. Satisfait de ce match-up, de cette utilisation du counterpick Red Side plutôt? Pour moi, oui, dans le sens où même si Game Ward a pris Nautilus, on a une engage qui est quand même assez légère de la part de Game Ward. Et du coup, prendre un champion qui peut bien poke et qui peut arriver à gagner des fights à distance en fait, en se faisant pas engager avec Zoé, je trouve que c'est plutôt un bon pick dans ce spot. Est-ce qu'on n'a pas deux finalement politiques dans la line-up Easy Dream ici? On a du hard engage, on a du wombo combo et on a une Zoé qui, est-ce qu'elle fit bien, est-ce qu'elle fit pas bien? Après, c'est ce qu'on se dit toujours. Ouais. Et actuellement, Zoé ça marche super bien. C'est notamment un bon blind. Hein. C'est first pick en Corée, donc à partir de là, c'est forcément bien. Mais les mid laners actuels, clairement, Zoé a l'air de ressortir en tant que peut-être la plus grosse prio mid lane. Je pense que maintenant, ça peut fit quasiment dans toutes les compositions. C'est un petit peu la nouvelle Oriana, j'ai l'impression. Eh ben, on verra, messieurs, ce que pourra faire cette Zoé dans un format teamfight, puisqu'il est déjà l'heure du match. Les drafts sont validés. Game World contre Easy Dream, ce sera casté évidemment par Glopo et Noah. Messieurs, c'est à vous, bon match. Merci Twix et on est bientôt parti pour le premier match de la soirée avec cette petite Zoé, puisque c'est de ça dont on parlait, qui marche très très bien contre Cassio. Après je tweakerai un peu le fait que si ça marche en Corée, c'est que c'est bien. La Corée en ce moment c'est un monde un peu étrange de la draft. Et ils ont l'air de pas fonctionner comme les autres régions du monde. Ouais, complètement d'accord. C'est vraiment un style à part. Hein. C'est une bulle à part. Ça peut jouer de façon extrêmement lente. Un rythme de partie où Zoé peut-être un peu plus s'exprimer. Après, d'une façon générale, quand même, Zoé, c'est dans la triplette des midlaners que tu veux éventuellement blind pick avec Leblanc et avec Syndra. Bon, pour ce qu'on est de cette phase de draft, j'aime beaucoup celle des Game Ward, dans la mesure où elle leur offre la possibilité de s'étendre en 1-3-1 avec Aatrox et avec Cassio potentiellement, là où du côté des Easy Dream, ça joue essentiellement le teamfight noir. C'est ça, et il faudra trouver du côté Easy Dream, si jamais on arrive à prendre à son compte la phase de lane, il faudra trouver des moyens d'engage et de venir snowball et de venir prendre des objectifs et de forcer les Game Ward à jouer. Parce que les Game Ward, ils peuvent attendre 45 minutes à la fin et ils savent qu'ils vont la gagner à la montre, ouais, si jamais ils ont un problème. Donc il y a une double difficulté pour les Dream qui est en bas du tableau. C'est déjà un, s'imposer en lane. Une fois qu'ils ont réussi à s'imposer en lane, c'est réussir à bien snowball sur le mid-game et enfin à terminer la partie rapidement. S'ils foirent un seul de ces trois points-là, pour moi, ça va être une game très difficile. Je trouve que limite, vu leur position, leur draft est peut-être un peu compliqué à jouer. Ouais, je suis assez d'accord. On va voir ce que ça va donner dans la feuille de l'invocateur puisqu'on va entrer dans celle-ci pour assister à la première game de cette soirée de LFL. C'est parti. Ah, on,
On revient très vite dans la partie petit problème d'affichage, mais on est lancé. Et donc, effectivement, c'est un peu la question que je me pose quand tu es une équipe en bas de tableau. Quelle est la stratégie optimale pour essayer d'emporter une partie? Est-ce que tu essaies de jouer quelque chose d'extrêmement agressif en face de lane? Est-ce que tu essaies de bétonner la partie pour essayer de scale? À une époque, on disait que les mauvaises équipes devaient hard commit sur leur early game. Je dirais que c'est plus aussi vrai maintenant parce que ce mid game est toujours un peu compliqué. Donc je me dis, comment ils doivent se positionner vraiment EasyDream pour essayer de remonter un peu la pente, hein? En fait, je pense que le choix de l'agressivité, c'est un choix qui peut être très payant lorsqu'on est en début de saison. Mais comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans le pré-show, on arrive quand même à la moitié de cette... on arrive dans les matchs retours tout simplement. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a bien avancé. Je pense que l'agressivité, tu peux beaucoup moins efficacement surprendre, et du coup là, de la part de EasyDream, j'attends peut-être un early beaucoup plus propre et surtout cette capacité à teamfight que j'attends de leur part. On sait qu'ils peuvent, jouer très très aggro, ils peuvent jouer sur ces points forts. Il faut attendre les phases de regroupement. Alors le truc, c'est en premier lieu pour EasyDream, ça va être de gérer le Lee Sin de Karim KT, parce que effectivement c'est pas Silem et Njawe qui vont mettre le feu à la bot lane. Ils vont mettre un peu de temps, ils sont obligés de jouer safe. Cassio a tout de même des petits problèmes en early game, d'autant que c'est pas une Cassio à la cleanse, donc d'autant plus il va falloir être prudent. Donc Karim KT, si jamais on veut hard stomp quelque chose, il y a le match-up de la top lane. Voilà. Ouais. C'est celui-là sur lequel il faut s'appuyer. Donc les EasyDream, ils ont des choses à faire, mais d'abord, il va falloir gérer ce Lee Sin. Karim KT, il a 3 lanes qui peut gank et qui peut chercher à faire snowball. 3 lanes qui sont 3 conditions de victoire. Là où du côté de Bloody, les options sont plus restreintes. Il peut jouer plutôt mid et bot, donc plutôt sur le bot side pour le jungler des EasyDream. Et le grab qui va connecter de la part d'Njawe, Karim KT qui arrive sur le côté niveau 2. Est-ce qu'on peut aller chercher un flash au moins? Nolan qui va trouver la peine capitale en réponse. Le heal un petit peu peut-être surréagi de la part de Silem qui ne voulait pas prendre de risque. Et l'invade de Karim KT qui va prendre l'information dans le bot side. Est-ce qu'il a eu peur d'un éventuel Gragas? Après, bon, le Gragas, il est parti red side, ils avaient un peu l'info. Non, c'est vrai, c'est juste un heal un peu rapide. Allez, l'agression sur Sebex, on vient gratter du point de vie. Et le heal. Alors Karim KT aussi, il s'est fait gratter quelques points de vie. Zoé, quand elle touche la bubule, elle sait punir. On peut le voir, elle est fun, qui va pouvoir se remettre à farmer. Timing de reset du côté de Bloody, qui normalement a ses bots de récupérer. Donc son Predator de disponible et potentiellement un gank à exploiter. Et je le verrais bien peut-être aller sur cette botlane. Les Game Wars qui ont très peu de vision sur ces botlanes. Oh, le joli grave, il passe sur la fleur et le kill, ça allait tellement Nolan, vite. Est-ce qu'on peut aller chercher Nolan? Les auto-attaques qui peuvent, Nolan appelle capital. Il a bien pré-shot le side-step d'Njawe. Oh, le flash de Bloody qui va pas connecter. Njawe très loin HP mais qui devrait s'en sortir. Le rappel de plume de Silem, il est colossal. Et les EasyDream qui sont en train de se faire détruire sur la botlane. Double kill pour Silem, les Game Wars qui frappent très fort. Les erreurs d'exécution dans cette défense et la vague de sbires, Glopo, la vague de sbires qui s'écrase sur la tour. Aïe. Ah, c'est dur. C'est très douloureux de voir une partie quasiment se terminer avant les 4 minutes de jeu. Bon, bah il va falloir serrer les dents pour les EasyDream. Et il va falloir remonter à la force du poignet. Oh, ce grab, il est bien trouvé quand même, Njawe. Ça fait du bien, cette petite diminution de hitbox. Ça permet d'être plus précis. Je sens aucune ironie dans ton propos. Et là, c'est dommage. Bloody qui tente de suivre le flash-out de Njawe avec un coup de bidon flashé. Il a pas la range pour appliquer le bump. Et le rappel et derrière, de plume. Ouais, le rappel de plume, plus toute la wave qui DPS, ça ne pardonne pas. Quel enfer. Et on va essayer de continuer à prendre du kill pour les Game Wars avec Nola qui s'est perdu. Le grab d'Njawe qui n'est pas passé. Attention, on réplique du côté de Nolan. C'est une catastrophe. C'est le premier timing de back, même si là il était obligatoire pour Nolan puisqu'il est mort. On voit souvent les supports passer sur la mid lane. Et ce call, il a été très très bien vu par les Game Wars. Il y avait Karim KT et Njawe qui étaient au rendez-vous et ça coûte le flash à Nolan. Les Game Wars pour le moment qui dominent très très bien ce bot set. Par contre, top, salut à tous qui se fait bum, salut à tous. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill, Vince? On régène un peu, salut à tous qui a son conquérant qui proc et qui peut trouver un très très gros trade en réponse. C'est le flash shot pour Vince. Ouais, et on prendra pas le coup de tour en plus pour salut à tous. C'est l'arrivée de Karim KT qui a tenté. Il a tenté le go-in et ce sera une victoire. Ça passe. Non, il y a le Gragas. C'est le Gragas qui va venir finir le travail, à moins d'un échec cataclysmique. Il voulait mettre le coup de bidon, mais tu sens qu'il a assuré le coup. Il est pas joueur. Non, il va venir. Il va être auto-attaque, se contenter d'assurer le coup. TP back du top laner d'EasyDream,
qui vient de s'incliner assez vite. Après, en même temps, salut à tous dans un match-up gagnant. Salut à tous, il a été très très convaincant depuis le début de ce split. Pour moi, c'est une des révélations de la top lane de la scène française. Alors, dans un match-up gagnant contre le Horn de Vince, forcément, c'est pas évident. Il a été redoutable, hein. Chez Mec se rappelle encore. Voilà, il s'était fait massacrer. Ouais. Dans le match-up contre Vladimir, ouais. C'était Camille Vlad, ouais, je crois. Camille Vlad, absolument. Et il s'était fait massacrer contre le Vlad. Il avait un tryhard le match-up et ouais. Il était revenu pour le réjouer. Et là, ça va être incroyable. Ouais. La semaine d'après, effectivement. Ah, il est comme ça chez Mec, hein. Il n'hésite pas à revisionner les match-ups pour corriger les erreurs. Allez, c'est Bex qui trouve un petit peu de rythme, la bubule, un peu de poke sur phone. Bex qui s'en sort bien pour le moment. Après, c'est vrai que le match-up est vraiment pas facile pour Cassio en face de lane. Non, mais du moment qu'il arrive à juste un peu repush la lane, à garder un peu de prio, on sent que Sebex il va essayer de se rendre disponible pour son équipe. Il part dans le brouillard de guerre. Il y a beaucoup de ward. Il y a une triple pink hein, pour assurer la vision en bot side, pour essayer de donner à Lafleur et à Nolan quelques plus opportunités. Parce qu'on a tout de même Nolan qui est niveau 2 actuellement, avec un niveau de retard sur Lafleur aussi, beaucoup 20-16 de retard. Donc cette duo lane qui va avoir besoin d'aide pour essayer déjà de survivre. Ils peuvent dive, c'est Diablody qui vient en réponse du grab d'Enja. Ouais, est-ce qu'on peut mettre un gros focus sur Bloody qui se fait contrôler la lanterne salvatrice pour le jungler des Dream. Il va quand même tomber sous les dégâts posés par Silem. Téléportation de salut à tous qui arrivent sous la tourelle et la fleur qui va suivre. 2 pour 1, 3 pour 1 sur cette botte avec un double kill de salut à tous et les plaques TP. Qui vont sauter les unes après les autres, les Game Ward qui maintiennent la pression sur le botte. Qu'est-ce que c'est bien joué les Game Ward qui mettent une pression phénoménale. Ils ne laisseront pas le temps à Easy Dream de revenir dans la partie. Ils appuient là où ça fait mal et encore du farm. Et sans cette Miss Fortune, c'est aussi un peu la composition de teamfight des Dream qui tombe à l'eau, ouais. Parce que ça va manquer de dégâts. Complètement. Ça va manquer de dégâts si cette MF n'arrive pas à mettre un ulti convaincant. On perd deux plaques, on perd tellement d'XP, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est peut-être la game la plus douloureuse que Easy Dream a eu à subir depuis le début de la saison. C'est vrai que cette early il est quand même particulièrement sanglant. On a vu ce qui a été montré par Game Ward semaine dernière, on a peut-être une équipe Game Ward qui est au summum, au top de sa confiance. Face à une équipe Easy Dream qui a tout l'inverse, qui a vraiment en difficulté en ce moment. Et du coup, ben, on a peut-être tous les éléments réunis pour que Game Ward fasse extrêmement mal. Après, tout n'est pas terminé. Nolan qui est en train de se faire catch. Nolan qui va pouvoir s'extirper dans les temps. Ça va jouer la bataille pour l'Hero de la Faille et le Dragon Infernal qui semble être au bout des doigts. On est sur un reset. On est sur un reset et on se fait avoir dans la river du côté des Ninjawe. Voilà, la Cassio n'est plus là. Il pourrait le tenter ce timing héros de la faille. Hein. Ce serait peut-être même une bonne idée pour les Easy Dream. Prendre des plaques, essayer de remonter un petit peu au gold. Ils ont besoin de tous les petits bouts de ficelle, tous les petits bouts de chandelle qu'ils pourront récolter. Et ça ping au niveau de ce héros de la faille. Il y a quand même un petit peu de vision qui a été assurée par Easy Dream pour potentiellement défendre cet objectif neutre. Du côté de salut à tous. On va mettre de la vision au niveau de la jungle bot side, prendre l'information sur le reset du blue buff de Bloody. Et là, cette ward, elle est absolument pas anodine. Elle va donner de l'information deep qui va être cruciale pour Game Ward. Les Game Ward, d'ailleurs, complètement décomplexés sur ce top side qui vont jouer l'Euro de la faille. Il y a eu un reset un peu tard des Z-Dream. Ils ont peut-être raté ce petit créneau là pour aller prendre l'objectif. Il y avait l'Infernal aussi. J'ai l'impression que là, les Game Ward, ils vont s'imposer sur les deux objectifs. En plus, les lanes sont bien push. C'est dommage parce qu'on fait la rotation top side pour les Z-Dream avec la duo lane. Mais on ne fait pas le move. Qui est la raison de la rotation. Ouais. Alors qu'ils arrivent à trouver un catch sur Enjaway qui était quand même bon, ils peuvent setup récupérer le carapateur derrière, mais ensuite ils n'arrivent pas à remettre la pression nécessaire pour contester l'objectif. Du coup, héros de la faille dans la poche des Game Ward, un héros de la faille que je verrais idéalement être invoqué sur la mid lane dans la mesure où le match-up pour Fawn avec sa Cassio n'est vraiment pas facile. Et là, on devrait avoir une reconcentration du focus sur le bot side par les Game Ward qui vont jouer le dragon. Par contre, ce grab Enjaway, la lightbox elle a été changée. Hein. Ça marche plus ça. Hein. Il ne peut plus l'attraper à travers l'équipe. Hein. Il a essayé de grab derrière lui pour avoir la Zoé qui était devant. Effectivement, il aurait dû viser sa tour, il aurait peut-être eu Zoé. Allez, on va jouer le dragon infernal maintenant. Karim Kate qui arrive dans la jungle, accompagné de son sup et de son mid. Nolan qui arrive, donc on peut trouver un engage là-dessus. Bloody qui claque son coup de bide, dont Silam qui se repositionne. Silam parfaitement positionné pour poser son DPS. Et les Easy Dream qui sont en train de s'empaler. L'ultime est très très bon de la part de la fleur. On va venir trouver le kill sur Enjaway, un pour un dans cette phase de jeu. Mais ce qui est important, c'est que les Easy Dream ont perdu leur jungler. Et du coup, le dragon s'offre au Game Ward. Le dragon un peu gourmand, Enjaway tout de même. Hein. Silam et Enjaway, ils avaient fait le premier move était bon. Et on a tout de même décidé un peu d'y retourner à 2 contre 3, 2 contre 4 même avant les téléportations. Vince qui s'est perdu dans ce buisson, voilà. Qui va se retourner. Va, oh, le regard de la Mémus est excellent. Ça donne peut-être l'opportunité à ses
retourner de patte, mais ils ne sont que 3. 3 contre 4 et ce sera insuffisant pour faire trembler les Easy Dream. Que c'est dommage, le regard de la méduse était superbe, mais pas de follow-up possible. Silem qui répond pendant son là sur la mid lane, qui fait sauter une plaque. Silem qui ne doit pas grid par contre, parce qu'il y a une rotation qui arrive. Bloody qui va se faire zoner par l'intervention conjointe d'Enjawe et de Karim Kate. Timing de reset. Et les Easy Dream qui ont peut-être pas, tout donné, Noah. Non, ils n'ont pas lâché l'affaire, voilà, on veut essayer de revenir, on veut essayer de jouer le fight, on se regroupe assez rapidement, on arrive à trouver les TP. C'est bien ce qu'ils font les Dream, parce que pour revenir de ça, ils partent vraiment de loin. Et surtout, j'aime le fait qu'on s'applique sur la vision, sur les petits gestes, et c'est ça qui va permettre de gratter des golds au fur et à mesure. C'est quand bien même, effectivement, il y a beaucoup d'avance pour Game 1, pendant qu'on revoit le move. Ils ont une compo qui met un peu plus de temps à scale. Donc on a ce petit pic avec la compo, avec une mise en scène, avec un bon teamfight qui pourrait éventuellement permettre de revenir. Éventuellement. On va voir. Avec on beaucoup va de voir. Pincettes et de guillemets dans bien tout sûr. Ça. Bien sûr. C'est vrai que l'écart au gold entre les ADC, il est quand même assez important. Silem qui fait un très très bon début de partie. Silem qui est, pour moi fait partie des révélations, encore une fois, hein, dans cette LFL. Game parmi les carriadés. L'excellentissime surprise de cette nouvelle année de LFL. Complètement. Complètement. Je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais pas à ce point-là. C'est vrai que leur début de split a été particulièrement convaincant. Là, ils enchaînent face à une équipe Easy Dream qui n'a pas encore trouvé sa marque de fabrique, qui n'arrive pas encore à faire fonctionner son roster. Il faudra confirmer demain. Et le 1-3-1 des Game Ward qui se met en place, Noir. Ça, avec la Cassio sur le top side. Salut à tous au bot. Et le pouvoir de dépouche de la Xayah sur la mid lane. Il y a toujours ce héros de la faille qu'il va falloir mettre en place d'ailleurs. Tu connais la Caster Curse, Noir? Aïe. J'ai dit du bien de Silem. Par contre, l'ultime raté de la part de Bloody, Karim Kate et Njawe qui peuvent disengage. Silem, il faut couper le stream et il faut te concentrer dans la game. Il faut pas écouter ce que je dis. Hein. C'est ça, voilà. Sinon, tu te fais karma. Par contre, il va falloir poser sur le héros de la faille, hein. Sinon ça va être une invocation obligatoire. J'ai l'impression que Karim Kate, il va le mettre voilà, sur le bot side. La tradition veut que sur la mid lane, tu mettes le deuxième héros de la faille quand tu es sûr de l'avoir. Idéalement, ouais. Et si possible, sur les deux dernières plaques, pour rentabiliser au maximum les dégâts bruts de la charge du héros de la faille. Karim Kate qui semble vouloir accompagner la charge de son héros. Du côté de Vince, il a aucun backup. On atteste le positionnement de ses coéquipiers sur la minimap. Il va falloir encaisser autant que possible. Et ça va être une tourelle gratuite. Ouais, c'est cadeau, il arrivera trop tard, Bloody, pour essayer de compenser. Par contre, on s'est peut-être un petit peu chauffé. L'ulti, les dégâts entre les deux tars de tank. Il s'est pris vraiment un booty check entre Gragas et Horn. Ouais. C'est exactement ça. Mais il s'en est sorti, il en a réchappé. Timing de reset du côté de Fun. Bon, le héros de la fight qui devrait être joué bientôt, le dragon qui apparaît dans une minute 30. Ils ont besoin de faire tomber cette T1 mid, les Game Ward. En ultime, Silem qui veut prendre aucun risque. Hein. Il veut pas se faire catch, il claque son ultime pour pas se faire endormir par la bubule de ses becs. Il y avait un gros reset. Il y avait pas de renfort à attendre si jamais il faisait une erreur ici, Silem. Voilà, on va juste attendre le retour des coéquipiers Game Ward en lane. Il y a un travail de vision à reprendre côté Game Ward pour préparer effectivement ce prochain dragon. Il faut aussi reprendre un peu la pression, notamment sur la top lane. On renvoie personne du côté de Easy Dream. Ils sont peut-être un petit peu en avance sur le timing. Non, c'est bon. J'ai l'impression que Vince va aller reprendre le top side. Ou pas. Et du coup, je pense qu'ils pourront pas jouer le dragon, les Easy Dream. Et c'est peut-être les objectifs qu'ils veulent le plus jouer. Il faut qu'ils arrivent à trouver des teamfights et ils vont lâcher beaucoup de ressources. On voit ces mêmes ping, les creeps qui s'écrasent sur le top side pendant qu'on est en train de repush le bot. Il y a Von qui est en train d'y aller. Il faut réagir, il faut faire quelque chose pour les Dream. Soit on engage, soit on dive, soit on force un dragon, mais on force quelque chose de toute façon. Et là, regardez ce qui se passe. Hein. Salut à tous, qui est en train de venir à pied sur la mid lane. Il a la prio vu qu'il a pris la T1 bot, donc il peut avoir beaucoup d'avance sur les décales de Vince. Les Dream qui doivent respecter ce timing où ils sont en infériorité numérique sur la mid lane, malgré Fun qui est laissé en free DPS sur la tourelle top. Et là, ben, naturellement, le dragon devrait s'offrir au Game Ward. Il apparaît dans une dizaine de secondes. Et comme tu l'as dit, je vois mal les Dream le contester. C'est dommage. Vince, il aurait dû être au top hein, pour essayer de garder un petit peu la pression. Et là, ils vont même pouvoir tout prendre. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de push en side lane, de récupérer les objectifs tout en défendant le mid. C'est carton plein côté Game Ward. Et les Easy Dream, ils sont passés un peu en mode Aram, en mode Enei.
C'est marrant, c'est ce dont on parlait avec Tréton et Ginko pendant le pré-show. Une équipe qui domine va chercher à jouer plutôt les deux héros de la faille en priorité avant le dragon, quitte à sacrifier un dragon. Et là d'ailleurs, en réponse, les Izdrim pourraient récupérer ce dragon des nuages, c'est ce qu'ils vont faire. Et une fois que les deux héros de la faille ont été récupérés, ils vont peut-être se remettre à jouer full bot side et à prendre tous les dragons qui apparaissent. C'est ça. Le truc, c'est que là, on vient de trouver la clé pour faire sauter le verrou de la mid lane pour les Game Awards. C'est tout ce dont ils avaient besoin pour essayer de snowball. On a 4000 gold d'avance. Et bon, un dragon des nuages isolé. On sait que maintenant, séparément, les dragons valent moins qu'avant. Ouais. Mais bon, après, on va pas reprocher à Izdrim de ne pouvoir prendre que le dragon sur cette phase de jeu. Allez, une faille de l'océan pour cette première game de la soirée. Avec des nouveaux buissons qui sont apparus, des nouveaux fruits revigorants. Et surtout une âme des dragons océans qui pourrait aller très très bien sur Atrox et sur Cassio. Nolan qui va forcer le flash de Fawn. Ils ont tenté d'aller le chercher. Le midlaner des Game Ward perd son flash, mais il reste en vie et on va pouvoir se remettre en place en 1-3-1 rapidement pour les Game Ward. On va mettre le Atrox au bot, la Cassio va repartir sur la top lane. S'ils arrivent à bien push les side lanes sur ce timing, ah, pendant qu'on allait un peu trop loin en warding solo pour Njawe qui arrive à trouver tout de même une encre. Njawe, le flashing carrément Njawe de Bloody, le renfort de Karim Kate, est-ce que ça va suffire? Pas de kick pour Karim Kate, on abandonne complètement Njawe. Il va cancel son grab avec sa peine capitale, c'est dommage. Njawe qui se fait catch là-dessus, Fawn par contre qui peut progresser sur cette top lane. Allez les Game Ward, allez les Easy Dream. Il faut en profiter, peut-être faire tomber cette tourelle mid, ça va leur faire beaucoup de bien de faire tomber la tourelle des Game Ward avant de perdre la lueur sur cette mid lane. Peut-être que ce serait la clé pour mieux contrôler les sides et empêcher Fawn de speed push, lui qui n'en démord pas sur cette top lane. C'est dommage Njawe, hein, ce move qui vient faire perdre ce timing, parce qu'effectivement on avait juste à repush bien. Là en fait, sur les side lane, si tout s'était bien passé, Atrox et Cassio auraient pu revenir vers la mid lane et venir accompagner ce héros de la faille. Du coup, je suis pas sûr qu'on arrive à sécuriser la tour de cette façon. On va faire des dégâts, certes, là où on aurait dû carrément sécuriser la T1. Ouais, la T1 qui tient bon, hein. Les Izdrim qui arrivent à maintenir leur première ligne défensive sur cette mid lane. Ça, c'est pas anodin encore une fois. Maintenant, il n'y a plus de héros de la faille qui vont apparaître. L'essentiel devrait se concentrer sur les bot side avec les dragons océans qui vont commencer à être stackés. Et là, en vrai, bah, les Izdrim, ils ont peut-être un coup à jouer. Ils arrivent à forcer un fight. Qu'ils le peuvent. Donc on a une petite tentative de grab de Njawe. Le truc c'est que si les Game Wards sont en difficulté, il leur suffit juste de tempo et de split, vu dans quelle position ils sont. Donc là, les Easy Dream, pour réussir à trouver quelque chose de convaincant, soit dans 2 minutes 30 il y a le prochain dragon, soit c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire, un gros paquet sur la mid lane, et après on roam à 4. Ça reste assez limité. Après, ils ont un potentiel de catch assez intéressant, les Izdrim, hein, avec un appel dieu de la forge, une belle bubule ajustée par Sebex ou encore une peine capitale de Nolan. Et ça peut être la clé pour venir attraper les split pushers de Game Ward. Tant qu'ils ont leur T1 mid, les Izdrim, ils peuvent tenter d'aller attraper les split pushers et du coup de désamorcer le plan de jeu de Game Ward. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que tu progresses sur les tourelles non plus. Il faudra toujours aller un peu plus loin que ça. Et Fawn, encore une fois, qui a pris sa position très très haut sur la top lane, qui est en train de choper les golems. Il fait beaucoup de gold là-dessus, Von. Ouais. Il est en train de skyrocket au niveau du stuff, au niveau de l'équipement. Bientôt fini le Liandry. Le Atrox est tranquillement installé. Enfin, ils ont quasiment la position parfaite. Oh, par contre, le pick-up avec la peine capitale. On en parlait, hein. Tu l'avais call. On en parlait, hein, de la capacité de grab de catch d'Easy Dream. Ça fait deux fois qu'ils vont ward sans avoir pris la prio mid. Ouais. Et généralement en solo. C'est deux petites erreurs tout de même de Game Warp qui sont à corriger assez rapidement. Njawe et Karim Kate qui se font un petit peu attraper dans cette partie. Hein, et les Easy Dreams, c'est vraiment le genre de situation qui peut les mettre en valeur et qui peut leur permettre de reprendre pied dans la rencontre. Les carreaux gold n'est que 2-3K en faveur de Game Ward, c'est pas tant que ça à l'approche de la 20ème minute. Et là, on a peut-être une rotation à faire sur Fawn qui va devoir reculer, qui peut pas mettre de la pression sur ce topside. Et les Easy Dreams qui vont pouvoir reprendre la prio mid et peut-être aller jouer ce dragon. Mais il faut le préparer, il faut le jouer ce dragon, il faut utiliser ces timings où les Game Ward vont être forcés de se battre. Et d'ailleurs, ça va commencer avec salut à tous. Peut-être un petit peu overextend. Je pense qu'ils se doutent que c'est compliqué. Le dieu de la forge, le flash, l'ulti. Et on arrive à ramener salut à tous qui devrait tomber.
applaudit. Fun, appel capital de SSF est très très bien trouvé. La réponse des Game Ward a été lente à se mettre en place, mais ils sont au rendez-vous. Fun par contre, qui tente de bait. Fun qui prend de gros dégâts. Intervention de Karim Katé qui se fait exhaust instantanément. Le regard de la méduse est superbe de la part du millénaire des Game Ward. Mais le follow-up impossible. Karim Katé qui a pris de très très gros dégâts. Bonne intervention de la part de Sebex. L'arrivée de la fleur sur ce bot side, les Game Wars veulent-ils continuer de contester cette tourelle? Les Idrim en tout cas peuvent prendre cette tour effectivement et derrière enchaîner sur le dragon. C'est bien ce qu'ils font, les Game Wars directement sur la mid lane. Voilà, on va essayer de compenser. On sait que ça va être très dur à défendre, du coup au moins on va essayer de limiter, de minimiser les dégâts et de récupérer un peu de gold. Ça reste une perte sèche pour Game Ward. Ouais, la Terre Bot est perdue. S'ils font tomber la Terre Mid, c'est un lot de consolation, mais c'est quand même une très belle opération pour les Idrim avec ce dragon de récupérer au passage. Voilà, Silem qui s'est occupé de prendre la tourelle. Dragon océan pour Easy Dream. Et on va avoir un reset maintenant. Ils sont pas dehors, les Easy Dream. Ah ben, quand ils peuvent set up leur catch, ça se passe bien. Hein. On l'a vu, salut à tous qui a pas respecté, qui perd son flash. Ils ont un peu de mal à assurer leur vision, les ouais. Game Ward. Il y a quelques lacunes, effectivement. Ils vont un peu vite. C'est peut-être des excès de confiance. Et c'est très très bien fini par Easy Dream. Moi, je suis entièrement d'accord, pour moi c'est exactement ça. C'est-à-dire on grille les étapes et plutôt par exemple de repousser une lane, d'aller prendre la vision à deux, de bouger un peu en groupe, chacun va de son petit move un peu solo. Là c'est salut à tous qui est un peu overextend et du coup la punition est superbement exécutée. Ah, pour le coup il lui laisse aucune chance de revenir. Et encore la Von qui échappe à une grosse punition. Là que Karim Katé s'en sorte, ça relève presque du miracle. Hein. Allez, timing de bataille pour la prix au mid, avec à la clé une information à prendre sur le Baron Nashor. Fun avec Karim Katé qui vient le shadow sur ce topside. Les Game Ward, ils ont une compo qui peut faire le Baron Nashor très vite avec cette Cassio. Donc là, la vision sur cet objectif va être très très importante pour les Idrim. S'ils veulent continuer à tenir et à continuer à protéger leur T2. Et on a laissé un petit peu salut à tous seul. On a l'information dans cette jungle, voilà, on voit la totalité du Crazy Dream, on voit Vince sur le top side, donc là salut à tous, il a l'information qu'il est parfaitement safe et on vient chercher Von, le décalage massif, on se déplace à 5 pour les Idrim. 5 sur Fun. Fun qui respecte les distances de sécurité pendant ce temps, cross map, salut à tous, qui répond en allant punir cette T2 qui a été laissée à l'abandon, et c'est ça le problème des Idrim qu'on avait pointé dans la phase de draft, c'est que si Game Ward joue proprement la map, ils vont devoir courir en permanence d'un côté à l'autre, faire les essuie-glaces et tenter de défendre et petit à petit se faire grignoter. Et c'est ce qui est en train de se passer, voilà exactement à l'écran. Et bien on court sur le Aatrox, la Cassio réavance. Si on court sur la Cassio, ce sera autour du Aatrox, tout en gardant bien la vague de sbire avancée avec cette Xayah qui est déjà à deux objets et surtout qui aura bientôt le troisième. Bon, est-ce qu'il nous fait une redite Karim Katé? Encore un catch? C'est bon. Le dash ward, bon réflexe. Il y a une rotation de salut à tous. Il a de l'avance par rapport à Vince. Vince tout de même qui arrive très bien à suivre. Et on voit qu'il n'y a pas d'opportunité. On repart instantanément sur le bot side. On a bien avancé le warding tout de même du côté des Game Ward. S'il y avait un effort à faire, il faudrait bien push le mid et aller prendre. Ah, j'aime bien ce qu'ils font. Les wards, même ils n'ont pas ward la jungle. Ils forcent pas les Easy Dream. Ouais, mais ce sont les Game Ward. Ce sont les Game Ward. Dans toute leur splendeur, on y va. On fait le call, on n'hésite pas. J'y crois zéro à ce baron. Surtout s'il y a le smite de Karim qui part. Ils veulent juste faire sortir les Easy Dream. Et chercher ce fight, salut à tous, par contre attention on va se faire catch bêtement, le flash in de Nolan, le flair instantané, salut à tous qui temporise autant que possible, l'appel du Laforge qui va être exécuté et on va trouver un double bump et pas de follow-up qui se met en place, les Game Ward qui vont temporiser, désamorcer la situation et finalement un partout, on peut dire, ou zéro partout pour être exact. Mais est-ce qu'on réengage? On va d'abord virer la vision. Mais oui, c'est-à-dire que cette préparation de Nashor, elle est à l'image de ce qu'ont fait les Game Ward. C'est-à-dire plutôt qu'effectivement de supprimer toute la vision dans la jungle des Easy Dream, de reposer des wards et de forcer des face checks et de punir ces face checks avec le speed push de Aatrox, on va directement au Nashor. Bon, bah ça marche pas. Ça marche pas comme ça. C'est Game Ward. On va dire que. C'est des gros bourrins. Ils aiment bien aller vite. Bon, on a quand même des objets très importants de compléter sur les solo lanes avec le Liandry du côté de Fun, la danse de la mort qui est très très coûteuse et qui est un gros power stack sur Aatrox. Donc là le 1-3 de Game Ward qui est redoutable, personne du côté Easy Dream ne peut tenir au 1v1 les speed pushers des Game Ward. Ils sont obligés de continuer à tenter de faire des catchs en équipe avec les dangers que cela incombe et on a déjà vu les résultats précédemment. Là le prochain temps de jeu va s'articuler devant ce dragon océan qui apparaît dans une cinquantaine de secondes. Les Game Ward qui sont en position de prendre la prix au mid et de faire la rotation bot side pour setup objectif.
Ouais, voilà, on vient de récupérer les wards, on vient de faire le reset. On va directement renvoyer la Cassio au top, qui aura sa téléportation a priori pour disputer le prochain dragon. Elle l'aura, ouais. Ouais, forcément, la fleur qui a eu moins de réussite que Silem sur cette game. Il a pas eu une phase de lane facile, la fleur. Ils sont fait dive quand même assez salement très tôt. 4000 points de dégâts, c'est un joli press air. T'aurais. Un très joli press air. Ça peut aller vite. Vraiment qu'il soit très très joli, mais pourquoi pas. Oh, la bubule, on se repositionne du côté d'Enjawe, la Napen Capital qui ne touche pas, les Izrim qui déploient leur arsenal de catch, hein, mais qui pour le moment ne parviennent pas à faire mouche. Et qui vont pouvoir quand même reprendre la priomide pour le moment. Salut à tous, va progresser tranquillement sur la botlane. Le dragon apparaît dans une poignée de secondes. Et du coup, quelle priorité attribue-t-on à quel objectif des deux côtés? Sachant que les Game Ward, on le rappelle, peuvent faire le Baron Nashor rapidement dès maintenant. Donc là pour Easy Dream, c'est un petit peu un casse-tête. Ah, ça c'est un kill, ça c'est un kill pour Bloody. On va mettre l'ulti, on va ramener Enjawe. C'est beaucoup Gargoyle. De ressources sur Enjawe, mais ça va permettre normalement d'aller chercher le dragon. Karim Katek, il va trouver un flank. Et c'est Mex qui se repositionne. Pour l'instant, c'est deux morts du côté des Game Wars. C'est Mex qui tombera là. Et salut à tous dans la BD sur la fleur qui clique. Accompagné par Von. Et ce sera maintenant du 3 contre 2. Peuvent-ils le faire? Les deux Karim. À la top watch, Bloody qui se fait découper. Von et salut à tous les deux solo laners des Game Wars qui peuvent inverser le cours du fight. Nolan et Vince doivent se retirer, ils n'ont pas les dégâts pour tenir tête au solo laner des Game Wars. Et finalement c'est du 3 pour 3, les Easy Dream qui ont encore de la combativité noire. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire, certes on est derrière mais on se bat. Après il restait les deux gros carries de Game Ward Full Life qui vont tout de même aller chercher ce dragon, deuxième dragon pour Game Ward. Il va tomber vite, sans aucun problème. On va revoir d'où tout est parti. Enjawe qui a complété sa gargoyle. Et c'est ce qui lui permet de gagner énormément de temps juste après avoir pris le burst là. Regardez, il se fait ramener, il prend les dégâts. Là, il le proc. Sa barre de vie qui double. Et ça donne le temps à Fun d'arriver, même si Fun il se fait slow énormément. Et salut à tous qui peut arriver de l'autre côté. Mais il a focus, KMKT, il a envoyé la Zoé. Et je me demande si la MF n'était pas un meilleur choix. C'est vrai que sur des fights comme ça bien engagés, je pense que le carry AD est plus important. Surtout une MF avec cette compo un peu fight. Et bon, ça s'est bien goupillé pour les Game Ward. Et on est reparti en split push. Voilà, salut à tous, instantanément. Qui récupère sa bot lane. Il faut remettre la vision, le dieu de la forge, oh, le double bump, la charge qui ne touchera personne, qui ne connectera pas. Bloody qui m'a un ulti, le regard de la méduse, on va essayer de terminer Von, il faut un peu plus de dégâts. La et l'ulti qui est excellent de la part de la fleur, mais ça suffit pas, il faut un tout petit peu plus. Le flash in, le bump directement sur salut à tous qui parvient à se repositionner, Von qui est en train de se battre en reculant la fleur, qui le prend en chasse, mais salut à tous qui fait un gros travail de couverture, intervention de la part d'Enjawe. Regardez Silam qui arrive sur le côté, Silam qui a peut-être un gros flanc à aller chercher, qui va éliminer ses Bex Vince, complètement esselé, qui va faire face à son destin, pris en chasse par trois joueurs des Game Wars. Salut à tous, Kickleaf qui fait tournoyer son épée et qui vient le décapiter à la volée, le Baron Nashor et le suivant. C'est le Nashor, on enchaîne après ce fight. Il leur manque du stuff, il leur manque un peu de dégâts. L'idée était bonne, le pick-up était bon, mais il leur manque pas grand chose pour aller plus vite dans leur pick-up. Et ça se retourne finalement contre eux. Game Ward sécurise le Baron Nashor avant la 30ème minute. Salut et surtout. Oh, il va se retourner. Il va dash, pas de soucis. À travers le mur. J'ai cru. Ouais, moi aussi, j'ai senti l'inspiration. Surtout qu'il avait son flash, il aurait pu le flash in. Mais en vrai, perdre son flash pour aller chercher ce kill maintenant, ça sert à rien. Pour le speed pusher qui a besoin de son Baron Nashor. Absolument. Voilà. Ils ont pas besoin de ça. Il a pas besoin d'un kill supplémentaire sur la fleur pour remporter cette partie. Clairement pas. Ça aurait débloqué aucun objectif neutre. Et je sais que toi comme moi, on se serait retourné. Bien sûr. Mais je joue pas en LFL. C'est pour ça qu'on est commentateur. Voilà. C'est la petite différence. Tréton est certainement d'accord. Il se serait retourné aussi. Alors qu'on revoit le catch qui, initialement, était plutôt bien trouvé. L'ultime de la fleur est vraiment convaincant. Ça manque de rien. Hein. Et là, salut à tous qui n'hésitent pas à créer de l'espace pour couvrir son mid laner. Alors que sa barre de point de vie est quand même très très basse. Il n'hésite pas à trouver un buff. Ce qui offre le temps à Enjawe et surtout à Silem d'aller chercher ce flank. Et le combo de la botlane Game Ward qui vient à bout en une seconde de ses Bex. Baron Nashor pour Game Ward. Et le push de la T2. Finalement, salut à tous qui s'est trouvé la top lane.
Et un petit cas sur Sebex d'ailleurs, effectivement, qui est mort entre temps. Sebex, eh bien, ça va être au moins nos inhibiteurs qui vont tomber en faveur des Game Wars. On prend le premier. Le travail est déjà mâché sur le top side. Et c'est quasiment le point de non-retour. 10 000 gold, 2 inhibs, on pourrait même essayer de finir dans cette foulée. Edgeway qui se fait grave, qui est tanky, il faut pas oublier. Oh, le team de la pleure, il est bien trouvé. Est-ce que ce sera suffisant pour repousser les Game Wars qui profitent du baron Lashor? Edgeway est tombé, 2 morts dans les rangs Isidrim pour l'instant. Les inhibiteurs sont validés. Game Wars qui n'a qu'à reset, se regrouper sur le bot side et tenter de porter le coup de grâce. Il y a un dragon océan à aller chercher sur le chemin. Ouais, c'est au passage, effectivement. Mais je t'avouerai que les chances de survie Isidrim sont quand même extrêmement minces là. On revoit ce qui s'est passé sur Sebex. Il a dû tenter de trouver une bubule. Prendre un regard de la méduse nature ou un grab. Ah, c'est le, ça sent le grab. C'est Njawe. Ouais. Njawe qui joue le meilleur champion du monde et qui punit. Bien joué. Qui punit très efficacement le dashing de Sebex. Allez, on se déploie à côté Game Ward sur le bot side. On dispose d'une trentaine de secondes de baron Nashor encore. Ce sera insuffisant pour aller faire le siège de cette T3 bot. Mais la rotation est quand même gratuite, puisque les inhibiteurs mid et top sont encore à l'appel chez Isidrim. Il n'y a plus qu'à tracer une belle ligne droite jusqu'au Nexus. Ils sont même pas le temps de s'arrêter et d'attendre ce dragon des océans. Ils sont déjà en train de setup le reste. Avec Karim KT, voilà, qui fait avancer. Il leur reste encore quoi, 3 secondes de baron Nashor. Bon, on l'aura pas pour aller push la T3. On met la vision, il n'y a aucune ward de flanking possible pour les Isidrim. Il faut un miracle. Il faut vraiment un miracle. Il faut que Sileim se prenne une peine capitale absolument scandaleuse. Et même comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient les capacités de gagner le prochain fight. Allez, le siège qui se met en place aux portes de cette T3. Dernier bastion de résistance des Isidrim. Qui vont dans tout, le dab, une sac, elle est très très bien prouvée de la part de Karim KT, le setup est peut-être bon pour Game Ward. On va trouver les dégâts, Fogg qui rentre dans la mêlée, salut à tous qui se joignent à la partie du team défensif de la fleur, semble insuffisant, les Game Ward qui sont en train d'entrer sans aucun complexe dans la base des Isidrim, ils ont subi aucune perte pour l'instant, c'est Njawe qui va quand même finir par tomber, et alors c'est que fini. Nolan se fait poursuivre par salut à tous qui est en train de le découper en morceaux, c'est un ace, 5 pour 1 pour les Quelle Game Ward. Propreté sur ce dive, c'était clean, certes, Njawe après avoir tanké 50 coups de tour, mais voilà, l'ace est quasi clean et ce sera une victoire pour les Game Wars qui vont passer au score de 8-3 et les Isidrim malheureusement à 0-9. Toujours pas de victoire en vue pour cette équipe, ouais. Qui marche sur les traces de Solary 2019. Ouais, oui, ça me fait franchement, ça me fait mal au cœur. Je suis dégoûté pour Isidrim, parce que game après game, tu vois qu'il lâche rien, quoi. Tu vois qu'il tente. Ils se battent, hein. Ouais. Après, leur draft, il y avait très peu de conditions de victoire. Et leur condition de victoire principale, qui était cette MF, elle a été détruite, mais dès les premières minutes de jeu, avec ce qui s'est passé triple sur le kill en bot side. Ils ont pris moins 26, ils reprennent un dive horrible par la suite. Enfin, tout s'est mal passé. Tout s'est mal passé. Et même avec quelques petites erreurs game ward, qui sont des erreurs de fougue, qui sont des erreurs de jeunesse, ce n'était pas suffisant pour revenir. Bon. Effectivement. Ceci étant dit, on va pouvoir retrouver l'analyse d'Es qui va pouvoir nous donner son avis sur cette game avec Twix. Twix, c'est à toi. Merci mon beau. Effectivement, notre avis sur cette partie, bien déjà, une partie franchement bien bataillée de la part des deux équipes, avec bien entendu les Game Wards qui en sortent vainqueurs. On a ici bien entendu le rappel de la draft. Messieurs, ressenti du match, est-ce qu'on a bel et bien joué autour de ses propres conditions de victoire? Parce que, comme on le disait dans le pré-match, la composition Isidrim, pas si facile que ça à mettre en place finalement. Pas si facile, notamment avec le Pixoyo, on en avait parlé aussi, Miss Fortune qui peut avoir un petit peu du mal dans cette composition à trouver sa place. Ça a très très bien joué du côté de Game Ward avec un snowball très rapide en bot lane notamment. C'est vrai que nous quand on regardait la game on était en mode bon bah c'est GG au bout de 5-6 minutes. Et Isidrim ont fait pas mal de... Pas tant que ça exactement, Isidrim a fait beaucoup de catch et bien revenu dans la game, il y a eu vraiment une vraie bataille et une game mouvementée, une game de Game Ward. Ouais, non, au final, la win condition des Isidrim, donc en essayant de faire des catchs avec Zoé, c'est ça qui leur a permis de rester un petit peu dans la partie. Mais là, on revoit du coup le premier fight qui, pour nous, était le GG. Je pense que pour n'importe qui, ce serait un GG. Alors, déjà, ce hook,
Il est beau. On whine beaucoup sur Nautilus, mais il faut reconnaître quand même la beauté quand on l'a face à nous. Et là, c'était effectivement magnifique. Un kill récupéré, on sent que ça va continuer sur Thresh. Nolan, bonne réaction ici. Très bonne réaction ici avec le Thresh. Et là, malheureusement, Bouddhi qui flash un chouïatard. On comprend l'idée, évidemment. Et là, c'est le retour de Plume qui vient les crucifier. Très bien joué de la part de Silam et de Anjaway sur cette botlane. 3-0, 2 kills justement sur le botlaner, donc l'AD carry. Dans le jargon, on appelle ça open mid. Là, c'est déjà super compliqué. En plus, il y avait une énorme wave, du coup, il la perd aussi. Et forcément, c'est, en plus, c'est un counter match-up. Donc, Nautilus contre Thresh, on a forcément du mal. Et derrière, il y a ce dive-là en plus. Là, vraiment, après ça, c'est open mid. Avant, c'est en mode, les gars, c'est chaud. Là, c'est vraiment tu open, quoi. Il n'y avait pas vraiment eu de counter play à envisager ici. Est-ce qu'on aurait vraiment pu mieux jouer le move? Alors, déjà, il y a eu un superbe play pour interrompre le jet d'encre. Mais au final, enfin, rien qu'au niveau du stat check avec la téléportation d'Atrox, c'était complètement plié dès qu'il y avait 4 ou 5 membres qui étaient autour de cette tourelle, j'imagine. Ouais, après, ils auraient pu faire des erreurs. Silam, je trouve, a encore fait des bons retours de plume. Et c'est ça qui a permis à ce que ça soit quasiment clean. Il y a juste Lee Sin qui est mort dans l'opération. Mais pour 3 kills, encore une wave de perdu et une bot lane du côté des Idrim complètement au fond. C'est Gamerot qui, je trouve, a assez bien joué, en fait, arrivé à appuyer là où il y avait déjà une difficulté de la part des Idrim. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que cette game a duré aussi longtemps, entre guillemets, avec un départ aussi canon? Eh bien, on a un petit peu l'exemple ici, ça s'est passé à peut-être 4, 5, voire même 7 reprises. Du catch, du kidnapping à grands coups de bulles, à grands coups de dieu de la forge. Beaucoup d'investissements pour au final un kill après l'autre, véritablement. Après, c'est évidemment ce qu'on recherche à faire quand on est derrière. Isidrim a bien joué le coup là-dessus. On a très bien utilisé le fait qu'on avait beaucoup de catch, tu l'as dit, avec Zoé, avec Thresh, des champions qui veulent faire ça. Et Game Ward, faut le dire, n'a pas trop respecté. Beaucoup de fois, on était trop avancé. Silam qui s'est fait catch un petit peu au mid. Non-respect, tu penses la fréquence des morts qu'il y a eu suite à tous ces catchs? C'est peut-être qu'ils se sont enflammés parce qu'ils ont fait un early game quasiment parfait. Ils se sont dit, bon, c'est fait. Et ils ont voulu enchaîner un petit peu trop vite. Et Isidrim les a bien punis là-dessus. C'était pas mal. Ouais, ça s'est vu sur notamment un Drake qu'ils ont tenté à 4 contre 5 à un moment. Enfin, qu'ils ont eu d'ailleurs. Qu'ils ont eu, mais ouais, c'était assez ambitieux. Là, on revoit donc un teamfight où Ornn rate un petit peu l'engage. Et c'est assez dommage parce que ça aurait pu suffire à tuer la Cassiopeia. Clairement, le fait que Cassiopeia survive ici, c'est assez terrible du coup pour les Dream. On va aller sans palais. Salut à tous aussi qui a fait un superbe travail juste ici. Rien que le fait qu'il va revenir après ce E-out, empêcher du coup les carrés de Dream d'aller finir sa Cassiopeia. Il zone ici et derrière, il y a forcément la botlane des Game Ward qui a le temps d'arriver. Oui. Et là, c'est le clean-up et c'est le Nashor et c'est la grosse erreur côté Dream. Et de manière générale, tant que Von ou Salut à tous étaient en vie, aucun teamfight n'était perdu pour Game Ward. On parle quand même de Aatrox Conqueror avec Death Dance et de Cassiopeia Conqueror, bien évidemment. Donc, niveau endurance, ça envoie du très très lourd finalement. Donc, c'était vraiment les deux main carry. Isidrim, malheureusement, qui fait la rencontre du 0-9. Il disait bien sûr très gentiment que ça rappelait un petit peu une certaine équipe l'année passée. Mais j'ai envie de dire, et ouvrons finalement le sujet. On a peut-être ici la saison qui démarre le moins bien depuis le début de la Ligue française. Alors je ne sais pas combien Solari a fait en termes au début. Dans mes souvenirs, je n'ai plus la data, bien sûr, vous l'avez hein, chez vous, n'hésitez pas à nous la donner directement dans le chat. Mais dans mes souvenirs, en tout cas, les matchs Solari, en tout cas, certains d'entre eux étaient beaucoup plus accrochés que la moyenne qu'on a eue. En termes de niveau de jeu, je suis d'accord que Solari l'année dernière jouait peut-être mieux que ce Easy Dream actuel. Les games étaient plus accrochés. Je sais pas, ils ont commencé à zéro combien exactement, j'ai pas la stat. Mais évidemment, là, Easy Dream, c'est une crise, que ce soit dans les drafts, que ce soit dans le jeu. Ça n'a jamais gagné un early game une seule fois, je crois. Tu l'expliques de cette manière ou tu l'expliquerais aussi par la montée générale un petit peu de la férocité des équipes de LFL? Alors, je pense que les équipes sont meilleures, surtout le top 5, 6 est vraiment très très bon. Je pense que le niveau est beaucoup relevé. On voit notamment Solari aussi qui joue bien bien mieux. Donc, même le bas de tableau maintenant est relevé. C'est MCS qui se retrouve en bas de tableau aussi. Et donc, il y a vraiment un niveau qui s'est rehaussé dans le milieu de tableau LFL. Je pense que le tout haut est toujours au même niveau, mais c'est le milieu de tableau qui est remonté. Et du coup, pour une nouvelle équipe arrivante, c'est super dur de s'accrocher. On a vraiment les deux profils distincts, puisque c'est les deux équipes qui ont rejoint la LFL cette année. C'est ça, Isidrim qui avait fait une super saison l'année dernière hors LFL, qui avait tout couille, on le rappelle, qui était pas mal parti, qui arrive en LFL. Et là, bah, je pense que c'est un cran au-dessus et voilà, ils ont du mal à s'adapter. Ça ne veut pas dire que sur le prochain split, ça peut pas mieux marcher, mais voilà, les débuts sont difficiles pour l'Isidrim. Dernière question sur l'Isidrim, et après, évidemment, on rendra l'entraîne pour le prochain match. Mais vous parliez de tout couille, il y a plus de tout couille chez Gamers Origin, on le sait très bien. Qu'aurait donné Isidrim avec tout couille en mid lane? Tu lances des questions tellement dures aussi, c'est... C'est une question parfaitement légitime.
Après, si t'es pas capable. C'est... Comment tu réponds à ça? Parce qu'en plus, si je dis qu'ils auraient donné mieux, du coup, je fais même les 4 autres. Tu te débrouilles. Moi, j'ai posé la question. Après, c'est à toi maintenant. Bon, pour moi, Tukui, pour avoir joué avec lui, c'est sûrement l'un des joueurs qui apporte le plus dans une équipe, que ce soit par la bonne humeur et le fait qu'ils veulent toujours travailler, et par tout simplement son niveau de jeu et son très bon inning phase. Il se décrit lui-même comme étant une éponge. Non, mais clairement, c'est archi bien de travailler avec Tukui. C'est un des meilleurs mates avec qui j'ai pu bosser. Ça a beaucoup d'impact. Ça a énormément d'impact. En plus, il est quasiment, je crois qu'il est dans le top 10 solo queue actuellement, peut-être même top 5. Enfin, il est super haut, il est super bon. Donc, forcément, c'est un impact monstrueux d'avoir un joueur de ce calibre-là dans une Ligue nationale. Ouais, comme Jico le disait, évidemment, Easy Dream, ça a dominé avec Bastia Ligassi la scène Open Tour de l'année passée. Avec Tukui, bien sûr, en tête d'affiche pour le coup, qui était le joueur qui se distinguait le plus. Forcément, grosse perte à l'aube de la Ligue française de League of Legends. Mais rassurez-vous, bien sûr, il y a le printemps, mais il y aura aussi l'été pour pouvoir éventuellement rebondir pour les Easy Dream. Parce que c'est vrai que maintenant, à 0-9, avec 8 semaines de compétition, eh bien, les playoffs, on peut déjà quasiment un petit peu faire une croix dessus. On verra, il y a toujours des scénarios rocambolesques qui peuvent éventuellement être viables. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant passer à la pause et au prochain match, surtout. Prochain match qui t'intéresse beaucoup, Jinko, je pense, parce qu'il est. C'est le cœur qui joue. Et oui, c'est l'équipe, c'est Solari, on est là, on est présent. C'est le titre qu'on joue. Enfin, en tout cas, c'est certainement les playoffs qui se jouent en grande partie sur ce match, vu que c'est sur Misfits. Absolument. Misfits qui est en 4-4 aussi. Donc, on veut les accrocher, on doit les accrocher et je pense qu'on va le faire. Et c'est le match justement qui nous divise un petit peu tous au niveau des pronostics, puisque en dehors de ce match-là, on est tous pareils. Donc, Solari contre Misfits, c'est juste après la pause sur Eurogaming.